Messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, bienvenue à Alfortville pour ces premières journées républicaines d'Alfortville, idée que nous devons à Luc Carounas, sénateur maire d'Alfortville. Je vous appelle, si vous voulez bien venir à mes côtés. Quelques mots sur notre soirée. Deux débats vont animer notre soirée. La question religieuse dans la sphère laïque de la République, premier débat. Le plan de la laïcité dans notre République aujourd'hui. Monsieur le sénateur maire, c'est à vous. Merci, Michael. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bernard Cazeneuve, madame la ministre aux droits des femmes, cher Pascal Boitard, mes chers collègues parlementaires, monsieur le préfet du Val-de-Marne, cher Thierry Leleu, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des cultes, monsieur le grand maître du Grand Orient de France, monsieur le président de l'Observatoire national de la laïcité, mesdames et messieurs, je tenais à vous remercier tous d'être venus si nombreux ce soir pour cette première édition des Journées républicaines d'Alfortville. Je veux, avant toute chose, remercier évidemment tous les intervenants d'une très grande qualité, vous le verrez, qui vont participer à nos débats. Remercier notre animateur, Michael Samnès, et le partenariat de Public Sénat. Remercier évidemment aussi Laurent Geoffrin, que j'ai vu tout à l'heure, qui, avec le journal Libération, est aussi à nos côtés. Et enfin, évidemment, remercier mes deux adjoints, Philippe Carr et Julien Boudin, qui ont organisé avec beaucoup d'acuité ces travaux. Mesdames et messieurs, mes chers amis, pourquoi avons-nous ressenti le besoin d'organiser les journées républicaines? Après les attentats de janvier, le Premier ministre rappelait à l'Assemblée nationale que c'est l'esprit de la France, sa lumière, son message universel que l'on a voulu abattre, mais que la France restait debout. Oui, nous sommes debout, comme nous l'avons été le 11 janvier. Le 11 janvier dernier, où la France était une et indivisible. Ce jour-là, ce triste et glorieux jour, le bleu, le blanc et le rouge étaient les seules couleurs qui accompagnaient les cercueils de nos morts. Depuis quelques années, il existe dans notre pays un triptyque destructeur qui ronge l'opinion, qui mêle à la fois immigration, crise des banlieues et terrorisme, et qui nourrit le racisme et la xénophobie. Nous nous devons de réagir, particulièrement à Alfortville, notre ville qui fête encore cette année ses 130 ans et qui a toujours su accueillir et intégrer l'autre, même quand il vient d'ailleurs et qu'il ne parle pas notre langue. La République a aussi de féroces ennemis culturels. La clique des néo-poujadistes qui courent des salons du livre, des déclinistes des plateaux télé, et pire encore, les infâmes boutiquiers de la haine qui ne font plus rire personne et doivent parfois même quitter des théâtres. Contre cette pensée insidieuse et anti-européenne qui prolifère, nous devons mener une lutte acharnée car elle pourrait trouver, je le crains, une traduction politique très concrète. Mesdames et messieurs, la République est notre identité et notre maison commune. Mais elle n'est pas figée, elle est en mouvement. Elle est en mouvement constant, elle a des racines multiples qui font sa richesse et sa complexité. Elle fixe une grande promesse qui demande une grande exigence, et j'y reviendrai. Elle nous offre aussi de grandes figures et des exemples à suivre. Les célèbres, bien sûr, des prix Nobel, des médaillés Fields, des actrices, des acteurs oscarisés, des multiples champions olympiques. Et puis, il y a aussi ces nombreux, très nombreux, essentiels héros du quotidien. Lassana Bathily, évidemment, Latifa Imdiateb aussi, et puis nous, à Alfortville, Karim Moussouni, qui a été décoré par la commune il y a quelques mois pour avoir courageusement sauvé une femme de la noyade. Nous pouvons être fiers de notre République. C'est pourquoi il nous faut la préserver encore et la protéger toujours. C'est savoir aussi se rassembler, tous, lorsque les circonstances l'exigent. Alors, à ceux qui aujourd'hui ensanglantent ou bafouent notre République, nous devons leur répondre avec force deux choses. Sachez que si elle a traversé les âges depuis Platon, elle n'est pas prête de s'arrêter avec nous. Et sachez qu'elle n'a ni négociation, ni compromis possible entre les Lumières et les idéologies totalitaires. Nous devons donc faire République à tous les étages. Faire République, c'est s'engager. Faire République, c'est sortir le sécateur et couper les inégalités à la racine. Et je sais, par exemple, cher Pascal Boitard, le combat quotidien que vous menez pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes, un combat quotidien. Faire République, c'est faire honneur à son mandat et à la fonction que l'on occupe. Et c'est pour cela que je proposerai au gouvernement, cher
Bernard Cazeneuve, dans les prochains jours, une contribution au projet de loi de lutte contre les discriminations qui est en préparation. Je proposerai qu'une personne exerçant une fonction publique qui diffame, incite à la haine ou prononce des injures discriminatoires puisse être condamnée avec des circonstances aggravantes ayant pour conséquence un doublement de la peine. L'exemplarité, mesdames et messieurs, elle doit être notre boussole. Faire République comme nous la faisons à Alfortville, c'est agir au quotidien. C'est ce que nous faisons, que nous livrons des écoles, que nous inaugurons avec Fleur Pellerin le Centre d'art contemporain, quand nous luttons au quotidien contre la xénophobie, l'homophobie, le négationnisme, n'est-ce pas, cher Mourad Papazian. Il faut savoir se retrouver pour partager des moments comme celui-ci. C'est aussi faire République, et c'est pour inaugurer ces premières journées républicaines que nous avons cherché le thème qui était le plus à même de pouvoir être celui de notre première. Et le thème de la laïcité était pour nous une évidence. La laïcité, elle nous préserve, elle préserve l'État, elle est le fondement de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui sur les frontons de tous nos bâtiments communaux. La laïcité, c'est notre bien commun, et je sais que ce soit au travers des prises de parole, au travers de nos intervenants, nous aurons ce débat avec vous toutes et vous tous, et vous êtes venus nombreux ce soir. Alors, à notre parrain, celui qui, malgré un agenda extrêmement chargé, je le sais, tout à l'heure, aux questions d'actualité au gouvernement, nous parlions ensemble de cette soirée. Je veux vous remercier, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de pouvoir nous honorer avec votre collègue du gouvernement, Pascal Boitard, cette première. Ce ne sera pas une dernière. Nous aurons d'autres rendez-vous sur d'autres sujets. Et je pense que c'est aussi le rôle d'une collectivité territoriale. C'est le rôle d'une municipalité comme celle d'Alfortville que, au travers de ces débats, nous portions des contributions nationales. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et je vous invite à prendre la parole tout de suite. Merci à vous tous. Madame la ministre, cher Pascal Boitard, mesdames les sénatrices, chère Marie-Françoise Pérol-Dumont, chère Esther Benbassa, monsieur le sénateur maire, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de l'Observatoire de la laïcité, cher Jean-Louis Bianco, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de me trouver avec vous ce soir à l'invitation de Luc Kevournas, que je remercie dans le cadre de ces journées républicaines, d'évoquer avec vous cette grande valeur républicaine qu'est la laïcité. J'observe que vous avez voulu prendre un peu d'avance sur la célébration le 9 décembre prochain de la journée de la laïcité et du 110e anniversaire de la loi de 1905. Mais je ne vous reprocherai pas cette avance, car il me semble que la laïcité n'a pas seulement aujourd'hui un patrimoine républicain à célébrer, elle est surtout un instrument précieux pour répondre à certaines tensions graves que connaît notre société et que vient d'évoquer à l'instant Luc Kevournas. La laïcité, comme vous le savez, ne date pas de la loi de 1905. Elle est l'aboutissement d'un long processus de sécularisation des sociétés européennes, des progrès de la tolérance religieuse et de l'autonomisation du pouvoir politique. Dès avant la Révolution, Rousseau distinguait déjà lucidement la croyance religieuse, dont le dogme, disait-il, n'intéresse ni l'État ni ses membres, et la nécessaire religion du citoyen, qui consiste à aimer les lois et la justice. Il faut donc, mesdames et messieurs, être clair d'emblée sur l'usage contemporain que l'on souhaite faire de la laïcité. La laïcité, c'est à mes yeux un principe juridique de neutralité religieuse de l'État et de ses représentants. Selon ce principe, l'État garantit la liberté à chacun, la liberté de croire ou de ne pas croire, et assure aux croyants le droit d'exercer leur culte dans des conditions dignes et paisibles. La laïcité, ce n'est donc pas une entreprise anti-religieuse, à mes yeux, ce n'est pas un projet consistant à restreindre autant que possible la place du fait religieux dans l'espace public, ni a fortiori à contester la légitimité
de toute quête spirituelle dans la société. Or, comme vous le savez, nous assistons chaque jour à des tentatives pour justifier au nom de la laïcité des mesures contre une certaine catégorie de croyants et contester la légitimité de leur présence au sein de notre pays. Et face à cette stratégie d'exclusion, nous devons faire prévaloir une conception authentique de la laïcité, une laïcité d'apaisement qui contribue à la cohésion sociale, respectueuse des consciences comme de toutes les valeurs républicaines. Commençons par rappeler certaines données d'évidence. La France est aujourd'hui une société largement sécularisée. Les comportements de la grande majorité de nos concitoyens ne dépendent pas de prescriptions religieuses. Les différents cultes n'aspirent pas à régenter la société, même s'ils entendent y exercer une influence, et aucun d'entre eux, aucun, ne conteste la forme républicaine du gouvernement. Nous ne sommes, mesdames, messieurs, ni en 1815, ni en 1880, ni en 1905. Pourtant, il existe bien aujourd'hui, à la marge, dans notre pays, des phénomènes qui relèvent d'une sorte de pathologie du religieux, qu'il s'agisse de radicalisation violente, qu'il s'agisse de communautarisme intégriste. Nous devons bien entendu les combattre de toutes nos forces en raison des menaces qu'ils représentent pour notre société, mais aussi pour notre cohésion sociale, et comprendre qu'ils inquiètent dans leur radicalité de nombreux Français. Mais nous devons également garder présent à l'esprit que ces phénomènes demeurent absolument marginaux dans la France d'aujourd'hui. Il y a, je le dis souvent, 1700 Français engagés dans les filières djihadistes, dont 20 à 25% de convertis. Chiffre à rapporter aux 5 millions de musulmans qui vivent en France. Les salafistes piétistes ne contrôlent que 3,5% des 2500 lieux de culte musulmans. Et face à eux, nous avons des théologiens et des philosophes musulmans d'une grande élévation de pensée, comme Tarek Oubrou ou Rachid Benzine, qui préconisent une lecture contextuelle de textes sacrés. Nous avons une organisation, le Conseil français du culte musulman, et des fédérations de mosquées qui condamnent sans relâche, sans ambiguïté, les attentats et les crimes abjects commis au nom de leur religion. Et nous avons surtout une immense majorité silencieuse de musulmans français, n'aspirant qu'à pratiquer leur culte de façon paisible et pleinement respectueuse de la République. Face aux peurs que suscite néanmoins l'islam, en raison du contexte des attentats et des menaces de Daesh, certains responsables politiques professent malheureusement, comme je l'ai dit, une laïcité d'exclusion qui cible ostensiblement et exclusivement les musulmans et ne peut que provoquer des réactions de repli communautaire à rebours. Ainsi, des mesures illégales d'interdiction du port du foulard sur les plages dans certaines communes. Il en va ainsi de la suppression des menus de substitution dans les cantines scolaires. Il en va ainsi des tentatives pour empêcher, parfois contre eux-mêmes, l'esprit et le texte de la loi, l'ouverture de lieux de culte. Au-delà de ces polémiques entretenues et dirigées contre les musulmans, il me semble qu'existe un phénomène plus large, plus inquiétant, d'intolérance à l'égard de la présence du fait religieux dans l'espace public. Les autres religions, d'ailleurs, ne s'en trouvent pas épargnées. Elles sont toutes concernées. Et selon une enquête récente, une vaste majorité de Français, 82%, jugeait par exemple que les signes d'appartenance religieuse devaient demeurer discrets en public. La polémique ouverte par la RATP et sa régie publicitaire autour d'un concert au profit des chrétiens d'Orient, ou les difficultés rencontrées par le grand rabbin de Toulouse, portant la kippa pour voter aux élections départementales, se sont inscrites dans ce contexte. De façon plus grave, ce climat d'intolérance
peut aller jusqu'à la profanation de cimetières et de lieux de culte, et même jusqu'à des violences à l'encontre des personnes en raison de leur appartenance religieuse. Les actes antisémites ont cru de 104%, 104% au premier trimestre 2015 par rapport à la même période de 2014, année qui avait été pourtant marquée par des violences déjà très significatives. Les actes anti-musulmans ont cru de 500% au cours de la même période. Et 50 mosquées ont fait l'objet d'attaques de nature diverse depuis le début de l'année. Un incendie d'origine criminelle a même détruit la mosquée d'Auch. Enfin, le projet d'attentat qui a été déjoué à Villejuif il y a quelques mois visait des églises, démontrant que celle-ci pouvait être aussi la cible de Daesh en Europe, et non pas simplement en Syrie et en Irak, où les chrétiens d'Orient subissent, comme vous le savez, de terribles persécutions. C'est pourquoi, parce que nous sommes authentiquement laïcs, nous devons veiller à garantir à chacun le droit de pratiquer son culte dans des conditions dignes et paisibles. C'est dans cette perspective que le gouvernement a entrepris de protéger depuis le mois de janvier des milliers de mosquées, de synagogues, d'églises, ainsi que des écoles confessionnelles et des centres communautaires. Des crédits ont été débloqués afin de financer des équipements de sécurité pour ces sites sensibles de toute confession. C'est également pourquoi le gouvernement a lancé un plan triennal doté de 100 millions d'euros afin de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Réciproquement, nous devons être vigilants dans l'application des principes de la laïcité. Les préfets veillent à éviter que des collectivités locales s'aventurent, souvent par méconnaissance des détails, des règles, sur le terrain du subventionnement des activités cultuelles. La loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école est bien respectée et ne donne lieu qu'à de rares contestations. La loi de 2010, interdisant de se dissimuler le visage dans l'espace public, a été validée par la CEDH, qui a reconnu que la préservation des conditions du vivre ensemble était pour une société un objectif légitime. La Cour de cassation a reconnu le droit, sous certaines conditions, pour les services privés d'accueil de la petite enfance, de proscrire le port de signes religieux à travers le règlement intérieur. Pour rendre plus effective cette belle et grande valeur de laïcité, pour lutter contre les interprétations abusives et contre les tentatives de contournement, nous devons promouvoir une véritable pédagogie de la laïcité. C'est ce que fait l'Observatoire de la laïcité. Je veux saluer Jean-Louis Bianco de façon constante, utile, à travers ses avis, à travers ses guides spécialisés, dont le guide laïcité et collectivité locale, que l'Observatoire vient d'actualiser et qu'il a décidé d'adresser à plus de 5000 communes. C'est aussi ce que fait l'Éducation nationale à travers l'affichage de la charte de la laïcité à l'école et de la présence de référents laïcité dans les académies. C'est ce que font les correspondants laïcité qui existe dans les préfectures. C'est ce que fait, bien entendu, le ministère de l'Intérieur en formant ses fonctionnaires aux valeurs et aux questions de la laïcité. Enfin, il n'y a pas de laïcité sans dialogue de l'État avec les représentants des cultes. Vous aurez peut-être relevé que je n'ai, pour ma part, aucune réticence à me rendre à la rencontre des Français de diverses confessions dans les lieux de culte. Je me suis rendu la semaine dernière à la cathédrale de Créteil, Monseigneur, à l'occasion de la cérémonie de dédicace de cette première cathédrale française du XXIe siècle. Je me suis rendu la même semaine à la synagogue pour Yom Kippour et à la mosquée de Cherbourg pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Et je le fais en étant totalement et absolument agnostique. Et totalement et absolument laïque. Je prévois du reste de me rendre également au Grand Orient de France le 9 décembre
pour parler précisément de la laïcité, et je profite de cette occasion pour saluer son grand maître, Daniel Keller, et le remercier pour son invitation. En effet, la loi de 1905 stipule que l'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Mais cette loi n'interdit en rien à l'État, qui est le garant de la liberté de conscience, de dialoguer avec tous les cultes et avec tous les courants de pensée. Et dans une société dans laquelle il est toujours des esprits par l'approximation, la manipulation, l'absence de rigueur, le goût de la confrontation, la volonté de la polémique, qui cherchent la division, parler avec tout le monde, avec pour seule boussole une exigence de rigueur et de précision intellectuelle, peut être un devoir d'État. Un dialogue institutionnalisé existe ainsi avec l'Église catholique depuis que le gouvernement de Lionel Jospin en a pris l'initiative. Cette institution très utile permet au gouvernement et aux représentants de l'Église de France d'aborder en confiance et en toute franchise les sujets philosophiques, la fin de vie, sociaux, l'accueil des migrants, ou internationaux, la situation des chrétiens d'Orient. Je crois sincèrement que nous retirons de ces échanges un double bénéfice. Un dialogue régulier existe également avec les représentants de la communauté juive. Mon ami, le rabbin de France, Raïm Korsia, qui est présent parmi nous et que je salue, pourra en témoigner dans son propos. Après les attentats de janvier, le gouvernement a voulu relancer le dialogue avec l'islam de France, projet qui s'est concrétisé par une première réunion d'une instance de dialogue construite autour du Conseil français du culte musulman, mais englobant un périmètre plus vaste de sensibilité, de génération et d'expertise. La méthode choisie par le gouvernement est donc celle du dialogue, de l'échange entre les musulmans qui entendent pratiquer leur religion librement, dans le respect des lois de la République et l'État, qui est garant de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Les réunions préalables organisées au niveau des préfectures au printemps dernier ont attiré plus de 5000 personnes, révélant un véritable besoin de considération et d'échange. Cette méthode n'exclut pas la plus grande fermeté à l'égard de ceux qui se placeraient hors la loi par des propos de haine et a fortiori par une implication dans le recrutement de filières djihadistes. L'État témoignera à leur égard de la plus grande détermination et de la plus grande fermeté. Certaines des questions qui sont abordées dans le cadre de cette instance de dialogue sont consensuelles. Je pense à la protection des lieux de culte, à la valorisation de la civilisation musulmane. D'autres sont plus complexes. La construction de mosquées, le statut des imams, les aumôneries, l'enseignement confessionnel, la lutte contre les actes anti-musulmans, la lutte contre la radicalisation. Mais ces questions doivent être traitées sereinement. Certains, dans le cadre de groupes de travail tripartites, qui vont bientôt démarrer leurs travaux pour la gestion de l'Aïd, la construction et la gestion de lieux de culte, groupe de travail associant les administrations compétentes, les représentants des cultes et les élus. La formation des imams mérite à mes yeux une attention particulière. L'État, dans un régime laïque, n'a pas à intervenir dans la formation théologique et il ne le fera pas. Mais nous devons veiller à ce que les imams étrangers, ainsi que ceux qui aspirent à occuper des fonctions d'aumôniers dans les prisons, les hôpitaux, les armées, maîtrisent la langue française et est une connaissance suffisante des règles et de la sociologie religieuse du pays où ils exercent leur ministère. C'est pourquoi le gouvernement a soutenu les initiatives des universités consistant à proposer des formations civiles et civiques à l'intention des ministres du culte. 13 de ces formations auront ouvert partout en France avant la fin de l'année et c'est une excellente chose pour la connaissance et l'échange. Le gouvernement souhaite rendre ce cursus obligatoire pour les aumôniers, comme pour les imams étrangers détachés de leur pays d'origine. Ce sujet fait l'objet d'une concertation poussée avec les gouvernements des pays concernés. Cette instance de dialogue dont je vous parlais à l'instant s'est réunie le 15 juin dernier, et elle est donc au début d'un processus
qui marque la volonté de l'État d'aborder dans un cadre rigoureusement laïque la question de l'islam de France. Sans bien sûr vouloir organiser le culte, mais sans feindre pour autant d'ignorer les problèmes. Des mesures ont été prises depuis cette première réunion, certaines sont en cours, et il sera temps au printemps 2016 d'évaluer le travail accompli à l'occasion d'une deuxième réunion. Nous devons, mesdames et messieurs, demeurer vigilants. Vigilants et déterminés à l'égard de toutes les manifestations d'intolérance, aussi bien qu'au regard des tentatives d'empiètement ou de contournement des règles de la laïcité. Je ne crois pas, pour ce qui me concerne, que notre société soit prête à succomber face à la montée des intégrismes religieux, ni face à l'irruption du communautarisme. Je ne le crois pas précisément parce que j'ai confiance dans les vertus de la laïcité et que je crois que la laïcité contribue à nous aider à faire nation, c'est-à-dire à dépasser ce que nous sommes individuellement ou collectivement en raison de nos convictions, de nos croyances, de nos appartenances philosophiques, non pas pour les abandonner, mais pour décider ensemble de faire nation, c'est-à-dire de former une communauté nationale une et indivisible, soudée par un seul et unique ciment, celui de nos valeurs, que nous ne devrions jamais perdre de vue, et qui devrait, ces valeurs républicaines, comme le disait Luc Cavournas tout à l'heure, être notre seule et unique boussole. Pierre Nora observe toute l'histoire de un effort permanent pour faire de l'un avec du multiple, du divers, du contradictoire et même de l'incompatible. La laïcité est au cœur de cette histoire. Elle est au cœur de cet effort. C'est elle qui a permis la réconciliation des deux France au cours du siècle passé. C'est elle qui a permis à la République de faire toute leur place aux religions minoritaires à mesure que s'accroissait le nombre de leurs fidèles. Elle doit demeurer le principe qui dicte nos décisions chaque fois qu'il s'agit de garantir la coexistence paisible des citoyens de toutes origines et de toutes confessions. Dans la responsabilité qui est la mienne, je vois chaque jour des informations qui me parviennent du territoire et qui témoignent de la force des petites haines qui sont capables de ronger la République de l'intérieur. Sur la toile, sur Internet, qui constitue une extraordinaire opportunité de communication, l'anonymisation des communications permet parfois ou conduit parfois à se laisser râler. Lorsque je vois l'accumulation d'insultes, d'invectives, de propos blessants qui peuvent être tenus à l'égard des autres, qui sont différents parce qu'ils sont différents, lorsque je vois la propagation sur Internet des propos antisémites qui sont une abjection, des propos anti-musulmans et des incitations à la haine à l'égard des juifs et des musulmans. Lorsque je vois certains individus radicalisés appelés à ce que l'on s'en prenne aux citoyens de notre pays et parfois aux chrétiens ou aux juifs, je mesure chaque jour, parce que nous procédons aussi à l'arrestation de ces individus qui parfois, pas toujours, parfois seulement, sont en lien avec des organisations terroristes. La force de la haine à laquelle nous devons opposer la force irrépressible des valeurs républicaines, la concorde, la fraternité, le respect de l'autre, le respect que l'on doit à ceux qui ne pensent pas comme nous précisément parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Le respect de la vérité et des faits qui doit conduire ce respect chacun qui est investi de la responsabilité politique à convoquer systématiquement avec la plus grande rigueur les faits et non pas les fantasmes
à convoquer la réalité et non pas les instincts. Parce que lorsque la République est à ce point soumise au coup de boutoir de ces petites haines dont je parlais tout à l'heure, la rigueur est une vertu républicaine. Elle n'est pas simplement une exigence de méthode. Eh bien, la laïcité, elle est une valeur et elle est une vertu rigoureuse. Elle impose aux républicains une discipline. Cette discipline, qui s'impose notamment à ceux qui exercent une responsabilité publique, c'est une discipline qui doit conduire l'État à respecter chacun en raison de ce qu'il croit ou du choix qu'il a fait de croire ou de ne pas croire, dès lors que chacun qui a fait son choix accepte d'être protégé par les valeurs de la République. Et c'est cela qui fait que la laïcité est un extraordinaire moteur du vivre ensemble. Et c'est cela qui fait que la laïcité est une valeur éminemment républicaine qui contribue à l'unité et à l'indivisibilité de la République, c'est-à-dire à la protection par la République de toutes les différences et de toutes les appartenances dans le respect mutuel que chacun doit à l'autre. Eh bien, je suis convaincu que nous avons un extraordinaire chantier devant nous et que dans le contexte particulier que nous traversons, nous devons être habités, guidés par ces valeurs, les avoir en boussole. Et je suis convaincu que dans cette ville d'Alfortville, comme dans d'autres villes de France, tant d'autres villes de France que j'ai l'occasion régulièrement de traverser, il y a une République avec ses valeurs qui entend demeurer debout face à tous ceux qui prétendent l'atteindre. Et je sais que ce soir, à Alfortville, par-delà la multiplicité des sensibilités, des convictions, des appartenances religieuses, c'est cet esprit, cette unité de la République qui est à l'œuvre. Et je voudrais, avec vous tous, m'en réjouir et remercier les organisateurs d'avoir pris l'initiative de cette belle soirée, car la République n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle accepte sereinement de parler d'elle-même. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci de votre intervention. On va passer donc à notre première table ronde, la question religieuse dans la sphère laïque de la République. Et je vais appeler nos invités à nous rejoindre ici autour de moi, Pascal Boitard, le secrétaire d'État, soir juste ici, Raïm Corsia, le grand rabbin de France, Michel Sentier, Monseigneur, l'évêque de Créteil, s'il vous plaît. Mohamed Bajrafil, l'imam d'Ivry, si vous voulez bien nous rejoindre également, vous prenez place juste ici. Et Philippe Foussier, le président délégué du comité laïcité de la République. Si vous voulez bien, Pascal Boitard, juste ici. Monseigneur, je vous en prie. Philippe Foussier, vous êtes très bien. Au milieu, Raïm Corsia. Je vous rappelle évidemment que nous sommes suivis également sur Internet, sur YouTube, et que vous pouvez, évidemment, si vous nous regardez, intervenir. J'essaierai de poser les questions qui arriveront sur l'écran qui est juste devant moi avec l'hashtag de la soirée sur Twitter, bien évidemment. C'est JRALF, JRALF comme Alfortville, vous l'aurez bien compris. On va tout de suite commencer notre table ronde. Madame la secrétaire d'État, vous êtes chargée des droits des femmes, je le rappelle. Vous êtes une élue du territoire, une élue de grande expérience. La laïcité, le territoire, aujourd'hui, on sent une forme de radicalisation. Monsieur le ministre en parlait juste à l'instant. Comment est-ce que vous ressentez cette radicalisation, si elle existe, de votre part ? Écoutez, c'est aussi en tant que secrétaire d'État aux droits des femmes que j'interviens ce soir. Et cette question vis-à-vis des droits des femmes est fondamentale. Parce que... pour que les femmes aient pu avoir des droits et pu se libérer de différents carcans, il a fallu mener beaucoup de combats tout au long de ces années, de ces dernières années, qui ont été des combats difficiles. Difficiles pourquoi ? Parce qu'il fallait aussi reconnaître à la fois une liberté à ces femmes, il fallait leur reconnaître une indépendance et il fallait leur reconnaître aussi leur place dans l'espace public. Et ces questions, elles sont continuellement re-questionner. Et lorsque vous avez des débats sur les droits des femmes, par exemple, le débat en ce moment sur la loi sur la santé, par exemple, qui réinterroge les femmes quant à
la maîtrise de leur corps, nous avons souvent, eh bien, comme le disait Bernard Cazeneuve, des représentants qui ne représentent pas les religions telles qu'elles sont, mais des représentants qui se disent représentants de religion, qui interviennent de façon extrêmement violente dans ces débats. Et ça, c'est une vraie question qui nous est posée. Et c'est pour ça que la laïcité, qui d'ailleurs est un sujet qui est toujours difficilement abordable, et c'est pour ça que je remercie Luc Carounas de nous avoir réunis ce soir, eh bien, est aujourd'hui un enjeu pour certains de recul vis-à-vis de la laïcité, de recul de droits pour les femmes, alors que la laïcité doit permettre justement eh bien, ce vivre ensemble, ce respect, et aussi le respect de ce qui se passe dans la vie de tous les jours de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Vous allez intervenir juste après, parce qu'on aura certainement des questions de la salle. Je vais vous poser la question, Raïm Korsia, si vous voulez bien. On a beaucoup donné de définitions du mot laïcité, c'est vrai. La laïcité, question religieuse dans cette sphère laïque de la République, c'est une très très vaste question. La laïcité, pour vous, est-ce que c'est quelque part le refus du tout religion ? Aussi, on peut dire aussi. Ouais. Mais c'est avant tout la possibilité de croire ou ne pas croire, de croire ce qu'on veut, sans être pour autant moins impliqué dans la citoyenneté. C'est l'obligation pour l'État d'être neutre à un point tel qu'il ne donne pas le sentiment qu'il choisit plutôt telle religion, telle appartenance religieuse, plutôt que telle autre appartenance religieuse. C'est, Madame la Ministre, pardon de répondre à ce que vous venez de dire, c'est le fait que même si le religieux le plus obtus du monde vous dit quelque chose, vous pouvez lui rire au visage. Il peut vous dire ce qu'il veut, ça ne le concerne que lui, ça ne concerne même pas ses mandants. C'est l'une des difficultés, d'ailleurs, de la représentation des religions. On focalise sur l'islam, mais c'est la même chose dans le judaïsme, c'est la même chose dans le protestantisme, qu'on oublie. C'est la même chose, même si dans le catholicisme, c'est, disons, plus simple, il n'empêche que entre l'évêque, entre la conférence des évêques, la conférence épiscopale, entre ce que peut dire le pape, ce que peuvent dire les prêtres et ce que peuvent vivre les prêtres, c'est parfois un peu différent. La grandeur du système laïque, c'est qu'on demande à personne de choisir entre sa foi et son engagement citoyen. Et ça, c'est unique au monde. Quand je dis unique au monde, je ne dis pas que dans d'autres démocraties, ce n'est pas formidable de vivre. Bon, l'Angleterre, je n'ai rien contre les Anglais, mais disons l'Angleterre, formidable, mais je ne pourrais pas être roi d'Angleterre. Ce n'est pas que je vise le poste. Mais en tant que roi d'Angleterre, je suis obligé de choisir un culte précis. Je ne peux pas être juif, parce que je suis juif, pour un rabbin c'est mieux. Il se trouve que donc je ne peux pas être juif et roi d'Angleterre. Ce qui n'est pas possible en France. En France, ce n'est pas concevable que la religion de quelqu'un puisse... Et donc c'est ça la force de la laïcité. On ne met personne en situation d'être sommé de choisir entre sa citoyenneté pleine et entière et sa foi. Avec un corollaire important, parce que c'est la liberté de pratique religieuse qui fait qu'il faut trouver, alors nos amis québécois parleraient d'un commandement raisonnable, mais en tout cas trouver une façon d'arriver à faire en sorte de faire coïncider les aspirations des uns des autres en respectant l'ordre public, en respectant l'équité. Voilà, ça se construit en fait au fur et à mesure. Nous sommes dans le judaïsme dans une fête en ce moment, la fête des cabanes, et on parle de la cabane en train de tomber. La République, c'est quelque chose qui est en train de tomber, toujours. Et on a vu le 11 janvier à quel point il fallait réenchanter, redresser la notion de fraternité. La laïcité, c'est au quotidien qu'il faut lui redonner de l'espérance et de l'enchantement. L'un des piliers de la République, on est bien d'accord. Mohamed Bajrafine, l'imam d'Ivry, c'est à vous que je m'adresse. On a senti une forme de danger autour de la laïcité. Vous imaginez cette laïcité en danger aujourd'hui, vous ? À ce sujet, moi, je parle d'un autre mot, plutôt laïcité. C'est que les définitions qui viennent d'être données de ce vocable renvoient toutes à la liberté qui est donnée à tout un chacun dans l'espace public de croire ou de ne pas croire, même de feindre de croire finalement, même si ce n'est pas le cas, alors que ce à quoi nous assistons depuis 5 ans en France, c'est quelque chose d'autant plus curieux que finalement on te dit... Tu ne peux être véritablement citoyen, notamment si tu as un patronyme
d'origine maghrébine, que si tu renonces à ta foi, à ce que tu es, indirectement par des déclarations diverses et variées qui sont faites non pas par les représentants de l'État, mais plutôt par certains élus, des fois, on assiste, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé à juste titre tout à l'heure, tous les jours à des gens qui essayent, justement, bon an, mal an, de porter atteinte à cette valeur ô combien essentielle, qui nous permet, au fond, à tout un chacun, comme le disait le grand rabbin de France à l'instant, eh bien, d'être ce qu'il est dans son fort intérieur et d'être en même temps citoyen. Donc moi, je parle plutôt d'une maladie, donc je parle de laïcitite, parce que laïcitite, pour moi, rime avec une autre maladie, qui est nationalite. Parce qu'en fait, les deux s'entremêlent et font un patchwork qui, de mon point de vue, menace le ensemble. Et peut-être que ça mérite quelques réactions. Est-ce que, autour de la table, quand on parle de maladie aujourd'hui, Monseigneur, est-ce que vous voulez réagir à ça ? Ben forcément, en tant que catholique, on n'a pas de difficulté avec la laïcité. Bon, presque né avec. La loi de 1905, les évêques en 2005, pour le 100e anniversaire, ont pris position très clairement en disant que la laïcité permettait effectivement le vivre ensemble. Et moi, dans ce département, où il y a un équilibre entre les trois grandes religions, si on ajoute aussi le bouddhisme, qui est de plus en plus présent, et il y a un équilibre qui fait que, eh bien, on est conduit dans l'espace qu'offre la laïcité de se rencontrer, de vivre des actions de solidarité ensemble, comme on l'a fait à Créteil cet été, et donc on vit effectivement des relations très fraternelles que permet la laïcité. Et je dirais même sur une question qui a quand même pas mal agité la France pendant certaines années, on est par exemple sur l'enseignement catholique, hein, on est arrivé quand même à un apaisement et un équilibre. Peut-être où il y a un débat qui apparaît, c'est plutôt aujourd'hui au niveau culturel, hein, c'est-à-dire sur les questions de bioéthique, hein, sur les questions du mode d'organisation familiale. Hein, mais je crois que ce débat, parce que bien, tout citoyen peut s'exprimer, et les religions peuvent s'exprimer sur ces débats, la laïcité devrait permettre qu'on puisse s'exprimer sur ces débats dans une certaine sérénité. C'est le cas. Oui, puisque la République permet, comme vient de le rappeler Monsieur le ministre de l'Intérieur, elle permet une unité, mais dans un pluralisme. Philippe Foussier, vous êtes le président délégué du comité Laïcité-République. Il y a certaines définitions qui viennent d'être données de la laïcité, peut-être chacune a sa définition, ou chacun a sa définition. Est-ce que vous-même, vous pouvez peut-être essayer de recadrer un petit peu tout ça, nous apporter votre éclairage, et puis évidemment, ça apportera quelques débats avec la salle, et puis évidemment avec nos invités. Oui, alors je crois que c'est important qu'on ait ce débat ce soir, et il faut remercier la municipalité d'Alfortville de l'avoir initié, parce que la laïcité, on entend beaucoup de choses sur elle depuis un certain nombre d'années, des caricatures, des contre-vérités absolument invraisemblables. Donc il y a nécessité d'abord de clarifier, de redire ce qu'est la laïcité, ce qu'elle n'est pas. Et puis il y a aussi une entreprise à contrarier, à endiguer, c'est ce formidable hold-up qu'a entrepris l'extrême droite en s'appropriant ce concept. Et il faut dire que l'extrême droite a eu autant de facilité à le faire, d'autant de facilité à le faire que, malheureusement, les partis du champ républicain ont été parfois un peu déficitaires, un peu lacunaires ces dernières années en la matière. Et Luc Carvounas avait raison de le dire tout à l'heure, lorsqu'il évoquait la question des attentats barbares de début janvier. Nous avons
démontrer ainsi par la réaction qui s'est manifestée en France, partout en France, dans les grandes villes comme dans les plus petites, que nous étions confrontés à cette situation, non pas parce que nous avions trop de laïcité ou trop de république, mais parce que nous avions précisément un déficit de laïcité et de république. Donc voilà pour dire cela. Et puis, effectivement, par rapport à la définition, je crois que ça a été dit, mais il faut le marteler, la laïcité, avant d'aborder la question religieuse, elle pose plusieurs principes. La liberté absolue de conscience. Cela veut dire que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. L'égalité entre tous, les croyants et les non-croyants. Et il ne doit pas y avoir de privilèges attribués aux uns comme aux autres. De ce point de vue-là, pour vous donner un exemple concret, le concordat qui existe en Alsace-Moselle et dans certains départements d'outre-mer est précisément ce qu'il ne faut pas faire, parce que au détriment des non-croyants. Et par conséquent, il brise le principe d'égalité. Tout simplement sur un plan financier. 60 millions d'euros de nos impôts, de vos impôts, sont consacrés à la rétribution des ministres du culte et à l'exercice du culte en Alsace-Moselle. Donc l'égalité. Et puis ensuite, je ne vais pas être beaucoup plus long, rassurez-vous, dans ce premier exposé. Ensuite, la laïcité, c'est une promesse d'émancipation. C'est-à-dire que la laïcité, par définition, ouverture. Elle est ouverture. Elle est ouverture vers l'autre, elle est ouverture vers les cultures, elle est ouverture vers le dialogue. Elle permet ce dialogue et donc, par conséquent, elle est une condition essentielle du vivre ensemble, de l'harmonie sociale et de la paix civile. Nous sommes bien sûr dans un débat. Raïm Corcia, vous vouliez ajouter un mot avant de laisser la parole à la salle, qui certainement a quelques questions à vous poser, à vous cinq. Je voulais rajouter une chose, et puis en fait, en vous entendant, je voulais rajouter une deuxième chose. J'ai aucune attache, ni en Alsace, ni en Moselle, mais je me dis, est-ce qu'on a besoin de casser ce qui a fonctionné en France? Est-ce qu'on a besoin systématiquement de briser des équilibres qui sont tellement sensibles? Oui, 60 millions d'euros, mais il faut penser peut-être à une autre chose, et je reviens au premier point que je voulais aborder. Comment intégrer les religions dans le débat avec d'autres? On n'a jamais voulu être seul. Nous avons été auditionnés, les cultes représentés en France sur la question de la fin de vie. Nous sommes émus avec le pasteur Claverolli, le président de la Fédération protestante, du fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas auditionné avec des grandes obédiences franc-maçonnes, avec les syndicats, avec d'autres personnes, d'autres groupes dans la société qui réfléchissent. La laïcité, c'est finalement un système où nous pouvons, les religions, apporter notre expérience de l'homme, pas du culte. 60 millions pour le culte en Alsace-Moselle, non. 60 millions pour permettre à des citoyens, parce qu'ils sont aussi citoyens, de pouvoir vivre quelque chose qui est important pour eux. Et donc, nous, on parle de l'humain, on parle de l'engagement, on parle de la main tendue à ceux qui n'ont pas, aux faibles dans la société, aux réfugiés, à ceux qui attendent quelque chose. Si vous voulez, quand vous donnez au Secours catholique, comme ça je parle, je fais du benchmark, Monseigneur, mais quand vous donnez au Secours catholique, est-ce que vous croyez que le Secours catholique ne donne qu'à des catholiques? Quand vous donnez au Secours populaire, qui n'est pas marqué, on donne à tout le monde. Quand vous donnez au CASI, Centre d'action israélite de Paris, ou aux protestants, ou aux musulmans, on ne demande pas un certificat de baptême avant de nous occuper d'un quelqu'un, d'un homme, d'une femme qui a besoin. Donc en fait, c'est cette préoccupation de l'humain pour lequel nous avons, en gros, allez, tout culte confondu, 3500 ans d'expérience. On veut en faire profiter la collectivité. Nous ne sommes plus, et c'est en ça que le ministre avait parfaitement raison de dire, nous ne sommes plus à une époque où les cultes demandent qu'est-ce que l'État peut faire pour nous. Je vous assure que nous sommes à une époque, tout culte confondu, où nous demandons à l'État qu'est-ce que nous pourrions faire pour l'ensemble de la collectivité. Main dans la main, ça change c'est bien la ça. Perspective. C'est main dans la main. Oui. C'est les religions ensemble. Et l'État ensemble. Et l'ensemble de la société. On travaille ensemble sur tel ou tel domaine. Ensemble, quand vous regardez par exemple les scouts, il y a des scouts religieux, des scouts a-religieux, j'ai presque des scouts anti-religieux, mais n'empêche que quand ils se retrouvent ensemble, il y a un partage qui se fait. Et c'est important, c'est ça la République. Mohamed Majrafil et la salle comme promis juste après. Quand j'ai parlé de laïcité tout à l'heure, c'était bien entendu pour contraster avec ce beau concept auquel la laïcité, qui de mon point de vue est la meilleure chose que la République ait réussi à créer. Parce que finalement, ailleurs, ou même dans l'histoire de France, on voit qu'encore aujourd'hui, on tue au nom de la différence religieuse.
La France a vécu cela. Et pour justement éviter que cela se reproduise en France, on a créé ce beau principe qui nous permet justement de se vivre ensemble. Et quand le grand rabbin de France disait à l'instant que nous ne souhaitions pas du tout prendre la place de l'État, mais au contraire travailler mano à mano avec ce dernier, c'est vraiment ce dont on a besoin. Au fond, on n'aspire qu'à ça. Le grand rabbin de France n'aspire pas à devenir président de la République comme autrefois. On prenait. Il veut déjà partir en Angleterre. Exactement. Il n'est peut-être pas tout seul. Hein. Mais bon, comme autrefois, on a pu prendre les décisions papales, les bulles papales en France. Enfin, et ailleurs dans le monde musulman, malheureusement, il y en a qui encore aujourd'hui confondent religion. Et politique et de ce point de vue-là font tout un n'importe quoi, comme malheureusement on le voit, parce que religion et politique ne font jamais bon ménage. Mais bon, ce sera peut-être un débat, un point qu'on aura à aborder. On demandera à Luc Carounas d'organiser une nouvelle table ronde sur religion et politique. Luc Carounas, merci. Monseigneur, je vous en prie, après, là je l'ai vraiment promis, ça sera des questions avec la salle. On part de la laïcité au plan local. Ouais, je suis un peu quand même l'évêque local. Et je dois dire que, au niveau des relations avec les maires, les municipalités, puisque l'évêque fait ce qu'on appelle des visites pastorales, j'ai été reçu par les maires. Et bien sûr, ils m'ont fait découvrir des aspects importants de leur ville, leur engagement pour transformer leur ville, la rendre plus humaine, plus sociale, plus... Et j'étais plutôt, moi-même, en admiration du travail des maires dans ce département, qui est quelquefois peut-être regardé un peu, parce que c'est un département périphérique, comme on dit, mais je dois dire que partout, les maires m'ont dit... puisqu'il y avait aussi des rencontres avec les autres croyants, les responsables des autres religions, que, effectivement, les chrétiens comme les juifs ou les musulmans étaient très engagés dans les associations sportives, culturelles, participant à peut-être au vivre ensemble. Et il y avait une certaine reconnaissance sociale de ce qu'apporte la religion dans la société. Donc, si on comprend bien, il n'y a pas vraiment de problème pour la religion au sein de la laïcité, c'est-à-dire au sein de la République. On va voir peut-être ce qu'en pense un petit peu notre salle ce soir avec tous nos invités. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question à l'un de nos invités? Certaines personnes ici ont des micros qu'on peut vous faire passer très rapidement. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter, peut-être votre prénom, et interroger la salle. Abdelkader, j'habite à Alfortville. J'ai une question qui se divise en deux parties. La première, la définition de l'espace public et l'égalité homme-femme dans la laïcité. Parce que moi, homme, je suis musulman pratiquant, j'ai le droit de rentrer dans tous les espaces publics sans problème. Une femme musulmane voilée ou une sœur, qu'elle a la voile sur les cheveux, elle est montrée de droit. Est-ce que la laïcité, elle garantit l'égalité? Madame la ministre, si vous voulez bien peut-être intervenir sur cette question, et puis évidemment on fera un petit tour de table. Il y aura d'autres questions, bien entendu. Alors d'abord, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est l'égalité des droits. C'est pour ça qu'on a fait une loi le 4 août 2014, qui était une loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de garantir des droits aux femmes, ou de les réaffirmer, ou de les conforter, parce que nous sommes dans un pays, comme dans d'autres pays, et je voyage beaucoup, où il n'est pas si évident que les femmes soient les égales des hommes. Et donc, nous avons d'ailleurs les preuves de cela, puisqu'elles sont moins représentées dans les plateaux télévisuels, parfois, puisqu'il y a beaucoup plus d'experts, paraît-il, que d'expertes. Il y a un livre qui vient de sortir sur les experts. Par exemple, il y a aussi moins de femmes, dirigeantes d'entreprise, par exemple, aussi. Elles ont souvent encore à leur charge, leur seule charge, de s'occuper de la sphère privée, c'est-à-dire des enfants, par exemple, et donc ce qui les empêche parfois de progresser aussi professionnellement.
Vous voyez, sur tous les aspects, et nous avons légiféré sur cela il n'y a pas si longtemps, puisque c'était il y a à peine un peu plus d'un an. Et puis, vous évoquez le fait que, eh bien, vous avez le droit d'aller partout, et que des femmes qui aborderaient, par exemple, le foulard ne pourraient pas le faire. Il y a une restriction qui a été votée, ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur, qui est, lorsque vous êtes mineur, qui est dans l'école publique, enfin l'école, vous n'avez pas le droit de porter parce que lorsque vous êtes mineur, vous devez aussi être protégé de toute influence. Ce que vous faites à la maison avec vos parents, c'est une chose, mais dans le cadre de l'école publique, c'est une règle, une loi qui doit être respectée. Sur le reste de l'espace, rien il n'y a aucune restriction, à part lorsque vous êtes un agent de l'État ou d'une collectivité, et vous devez de respecter cette neutralité. Mais aujourd'hui, monsieur, ce n'est pas une question de porter ou pas le foulard. Il existe aujourd'hui des femmes, peu importe leur religion ou leur non-religion, qui n'ont pas leur espace dans l'espace public parce qu'il y a une façon de construire l'espace public aujourd'hui, par exemple, qui exclut de fait les femmes de certains endroits de la ville. Et il existe aussi des comportements, encore aujourd'hui, et c'est pour ça que nous luttons contre les violences faites aux femmes, qui les empêchent de se déplacer librement à l'heure où elles souhaitent et à l'endroit où elles le souhaitent. Et c'est pour ça que nous prenons des décisions et c'est pour ça que nous faisons eh bien, une politique publique d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous souhaitez réagir, l'un de vous quatre, M. Majrafil ? Non ? Passez. Oui ? Oui, bien volontiers. Monsieur Foussier. Je crois que la question des femmes est centrale. Elle est centrale. Elle est le curseur qui permet de déterminer si la laïcité est bien appliquée. Parce que la laïcité, dans la mesure où elle permet l'égalité entre tous, elle permet notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle récuse l'idée qu'il y aurait une assignation à un certain nombre de tâches pour les femmes parce que, biologiquement, elles seraient différentes des hommes. Par conséquent, les enfermer dans un rôle social, comme parfois les monothéismes s'y livrent, eh bien, je crois que parfois, je dis parfois, monsieur le grand rabbin, c'est une entrave à leur liberté. Et par conséquent, la question des femmes est importante. Pour répondre plus précisément à la question de monsieur, une partie de la réponse a été faite par madame la ministre, et j'y souscris, mais je crois qu'il faut aussi avoir en tête que parfois la pression religieuse qui s'exerce sur certains membres d'une communauté réelle ou supposée, je n'aime pas ce terme, mais parfois, il y a un enfermement communautaire qui est plus ou moins voulu. Eh bien, la laïcité, elle permet précisément de protéger ceux qui pourraient avoir envie de se soustraire à cette pression, et donc pour assurer, pour garantir leur liberté. Donc, on a une démonstration supplémentaire que la laïcité est bien une liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer un culte et de faire les choix philosophiques qui appartiennent à chacun. Je crois que Monseigneur voulait rajouter quelque chose. Dans l'Église catholique, on ne vit pas, les religions ne vivent pas en dehors de la société. Et la question des femmes, puisque nous avons fait une consultation des catholiques, même il y a d'autres personnes qui ont participé, bien, une des questions qui apparaît, c'est la place des femmes dans la société et dans l'Église. Donc on y réfléchit. Et même, par exemple, c'est peut-être pas dans tous les diocèses de France comme ça, mais dans mon conseil épiscopal qui gouverne le diocèse, eh bien, il y a 4 femmes. Elles ne sont pas membres de secondaires, elles sont membres à part entière et participent au discernement des décisions. Donc je pense aussi nous vivons dans une société, les croyants, et nous voyons bien que les questions qui se posent, eh bien, nous avançons aussi. Autre question, s'il vous plaît. Madame vient de lever la main, si vous voulez bien juste vous lever et vous présenter au moins votre prénom, oui, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Maryse Mercier, Éducation nationale, agnostique, dont je voudrais simplement donner mon ressenti à monsieur. En ce qui me concerne, je me suis engagée dans l'éducation à 20 ans, pour le bien public et pour l'éthique et pour la laïcité. Je viens juste de quitter les dernières vacations parce que j'aime ce métier. J'aime tous les enfants, les adolescents et les jeunes.
Je n'ai jamais fait de différence. Par contre, monsieur, j'ai beaucoup de mal avec le voile. Dans les écoles, c'est vrai que les élèves ne portent pas le voile, n'ont pas de signe extérieur, ostentatoire. Et c'est vrai que dans la rue, moi, ça me gêne. Mais ça me gêne en tant que féministe. Mes mentors ont été Gisèle Halimi, qui a défendu le droit à l'avortement, Simone Veil, Françoise Giroud, et je m'en réfère à ce féminisme-là. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai porté le tchador, par obligation. Donc, pour respecter l'environnement. Et je souhaiterais que les femmes aient le droit d'être elles-mêmes et ne subissent pas, finalement, quelquefois des enfermements, des religions, etc. Je vous remercie, c'est juste mon ressenti, je n'ai rien au niveau agressif, mais ça m'ennuie énormément, le port du voile par les femmes, et cette espèce, pour moi, c'est un asservissement. Merci de votre témoignage, madame. Monsieur Majrafine, je pense que... On a envie de vous entendre sur cette question. Très rapidement, par rapport à ce qui vient d'être dit par madame, je pense qu'il faut, quand on a à définir la justice, éviter de la tailler à sa mesure et de comprendre que l'autre aussi peut, et c'est cela aussi la laïcité de mon point de vue, ne pas réfléchir de la même façon que soi. La définition qui vient d'être donnée, ou quand madame dit que ça la gêne, à la limite que ça la gêne, c'est son droit. Mais que l'autre ait aussi le droit de ne pas penser comme elle et qu'elle puisse être ce qu'elle est tout en se sentant libre, en mettant le foulard, il faut aussi que cela soit entendu. Parce que le problème qui se pose, c'est que moi personnellement, je dis la chose qui suit, autant je me bats pour que celle qui n'a pas envie de porter le foulard ne le porte pas, autant je dois me battre pour que celle qui en a envie le fasse. Et c'est de mon point de vue la définition de ce que c'est que la laïcité. Si la personne, la jeune fille qui porte le foulard, estime qu'à travers ce dernier, elle arrive à réaliser sa quête de sens, mais qu'il lui soit permis. Mais si en revanche, nous, on va, tout en reprochant à ceux qui leur imposent le port du foulard de le faire, on va lui dire non, il ne faut pas que tu le fasses, quand bien même elle en a envie, au fond, c'est déshabiller Saint Paul pour habiller Saint Pierre, même si je ne suis pas chrétien. Monseigneur, un petit mot. Monseigneur, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Prochaine question, si vous en avez, s'il vous plaît. Madame. C'est moi, bonjour. Yasmina. Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Pardon, Yasmina. Donc moi, je suis voilée, et je suis voilée par conviction, parce que je veux pratiquer ma religion comme je le souhaite. Et je ne comprends pas ce discours qui m'empêcherait d'avoir autant de liberté que madame, de ne pas le porter, de ne pas croire ou de faire ce qu'elle veut, tout simplement. Voilà. Et moi, j'aimerais avoir le droit de faire ce que je veux. On comprend aussi votre témoignage. Merci beaucoup. Madame la ministre, je pense que peut-être vous pouvez rajouter un petit mot sur ce témoignage. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des espaces qui ont été délimités par la loi. On parlait de l'école, par exemple. C'est un espace qui doit être préservé pour différentes raisons. Et puis, évidemment, lorsque vous représentez l'État ou une collectivité, vous devez représenter aussi une neutralité, puisque vous êtes au service de tous et vous êtes là pour représenter l'intérêt général et être au service de tous les concitoyens et concitoyennes, quoi qu'ils croient ou pas, d'ailleurs. Donc voilà, les espaces qui sont déterminés et qui sont... ensuite, vous avez la liberté dans ce pays de pouvoir porter le voile si vous le souhaitez ou de ne pas le porter aussi. Et ça, c'est aussi une liberté qu'il faut pouvoir respecter, ce que disait monsieur à l'instant. Ce n'est pas toujours le cas, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs. Donc c'est ce à quoi, par contre, la République doit veiller. Ça, c'est une liberté aussi qui doit être respectée, le fait de vouloir ou pas porter le voile en ce qui concerne la religion musulmane, par exemple. Mais en tous les cas, ce qui ne peut jamais être mis en cause, c'est pour les droits des femmes, c'est que la loi religieuse veuille supplanter la loi républicaine. C'est la seule restriction que je mettrai à tout cela, et ça concerne toutes les religions. C'est la question des droits et des devoirs. Y a-t-il une autre question, s'il vous plaît ?
Monsieur. La prochaine sera pour vous, bien évidemment. Bonsoir, je m'appelle Mathieu. Ma question était la suivante. Jean Zay, qui était un grand ministre de l'Éducation nationale et qui est entré au Panthéon récemment, déclarait que les écoles étaient des asiles inviolables où les querelles des hommes n'ont pas leur place. Pourtant, on voit bien aujourd'hui que certaines minorités activistes se réclamant de vos cultes, mais qui, je pense, leur font du tort, vont à l'encontre de cette phrase. Donc ma question, elle est double. C'est d'une part, est-ce que tous les représentants de nos cultes qui sont ici présents sont attachés avec force à cette phrase de Jean Zay? Et la deuxième question est, comment vous pouvez faire aussi pour lutter vous-même contre ces minorités activistes qui portent, je le crois, préjudice à vos cultes également? Je vous remercie. Eh bien, on va poser une question très claire. Tour de table rapide, peut-être Aïm Corsia pour commencer. Évidemment, j'adhère à cette phrase de Jean Zay, comme j'adhère d'ailleurs à sa vision. J'étais très ému d'être justement à la cérémonie dont vous parlez au Panthéon. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion sur l'activisme. J'ai rarement vu des bataillons de curés, des bataillons d'imams, des bataillons de rabbins, des bataillons de pasteurs et de bonzes vouloir attendre les jeunes à la sortie de l'école en évangélisant au Urbi et Orbi, si vous passez l'expression, Monseigneur. Honnêtement, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'on ne peut pas, sous prétexte de ne pas faire de prosélytisme, ce qui est contraire à toute notre vision, je crois, dans une république comme la nôtre. Sous prétexte de ne pas faire de prosélytisme, on ne peut pas oblitérer complètement l'enseignement du fait religieux. Depuis un rapport de 2002, l'éducation nationale est censée organiser l'enseignement du fait religieux. Sauf qu'on voit quasiment tous les 2-3 ans un rappel, il faut qu'on lance l'enseignement du fait religieux. Bon, dans la réalité, ça veut dire que ça ne marche pas. Quand vous rappelez les choses 2-3 fois, c'est que ça ne marche pas. S'il y a marqué, c'est une grande règle que mon prof d'histoire m'avait enseignée. Quand il y a marqué, il est interdit d'afficher, c'est que tout le monde affiche. Voilà. Quand vous voyez quelque part marqué, par exemple, dans les synagogues, il est interdit de parler pendant l'office, c'est que tout le monde parle. Ce que je n'ai jamais vu dans vos églises, par exemple, Monseigneur. Donc voilà, c'est simple. C'est que les lois encadrent toujours ce qui se fait. Donc, je crois qu'il est important, et la ministre de l'Éducation nationale a lancé un travail important, là maintenant, sur l'enseignement du fait religieux dépassionné, sans parti pris, qui donne des faits et qui permet ce que voulait faire Jean Zay, croyez-moi, d'élever la conscience citoyenne des élèves, sans aucune volonté de capter les élèves. On n'a pas des parts de marché à prendre dans l'école. Et je vais essayer de vous le démontrer très modestement, non pas sur ma personne, mais avec mon voisin. Monseigneur Santier, avant d'être évêque de Créteil, était évêque de Luçon, et à ce titre, il avait dans son diocèse les Sables d'Olonne, en Vendée, qui est une terre avec une grande histoire juive, c'est très connu. Et donc, quand je suis arrivé, il y a peut-être 15 ans, épousant mon épouse et donc épousant la maison de vacances de ses parents, je suis arrivé au Sable d'Olonne, il n'y avait rien du tout. Avec des amis qui étaient là, on a décidé de créer un petit embryon de communauté, d'abord pour les vacances, puis tout au long de l'année, pour rassembler tous les Juifs de Vendée. C'est Monseigneur qui nous a prêté une salle de son presbytère, des Sables d'Olonne, pour pouvoir y mettre une synagogue qui a fonctionné pendant 5 ans. Ça, c'est la laïcité qui dément cette vision qu'on pourrait avoir où les religions se font une concurrence acharnée pour prendre des parts de marché. Ça, c'était un geste profondément fraternel et profondément laïque. Parce que s'il n'y a pas de laïcité, effectivement, on est dans une compétition. Il n'y a pas cette compétition. La seule compétition qui est la nôtre, c'est celle pour plus de fraternité, plus de partage. Et je garde cette reconnaissance envers Monseigneur Santier, parce qu'en faisant ça, lui-même et le prêtre des Sables d'Olonne, le père Olivier Guénier, en faisant ça, ils étaient de grands Français. Philippe Foussier, M. Bajraf, s'il vous plaît. Dans le sens de ce qui vient d'être dit, ce qui nous manque, c'est la confiance, en fait. On ne se fait pas suffisamment confiance les uns aux autres. Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, j'étais en 2002, jeune étudiant, et il y a une commune non loin d'ici qui s'appelle Brie-Comte-Robert. J'ai oublié le nom du prêtre de l'église, mais tous les vendredis, on n'avait pas de lieu de culte là-bas. J'y travaillais, j'y faisais un job d'été. Et tous les vendredis,
une petite salle attenante à l'église nous a été donnée chaleureusement par le prêtre pour que nous y fassions la prière du vendredi, qui est très importante pour les musulmans. Et personnellement, je rêve du jour où, inversement, je pourrais leur rendre l'ascenseur, en fait. Ce qui veut dire, encore une fois, que nous ne sommes pas du tout dans une démarche de compétition où on chercherait à se battre les uns les autres. Et le problème que je vois, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que la laïcité est devenue, en quelque sorte, quelque chose de militant contre les religions. Tous les jours, on essaye de montrer les religions du doigt. On voit des philosophes ici et là qui disent que sans la religion, l'homme serait parfait, il n'y aurait jamais eu de guerre, comme si Staline avait une religion quelconque ou les Hutus en avaient une. Et du coup, personnellement, ça me perturbe. Parce que je me dis, mais attendez, on a quand même une histoire. L'homme a une histoire qui est vieille de plusieurs milliers, voire millions d'années pour certains. Et on a quand même la possibilité de revenir sur cette histoire et de voir que ceux qui ont eu recours à la religion, ceux qui l'ont instrumentalisée, se sont souvent appuyés sur l'ignorance de celle-ci par ceux qui s'en réclament. En tout cas, pour ce qui concerne l'islam, ce qui se passe aujourd'hui, les radicalisations dont on parle ici et là, sont souvent le fruit de gens qui sont complètement paumés, qui ont fait les 400 coups. Je répète souvent cette phrase, c'est souvent des bandits de grand chemin qui, du jour au lendemain, passent du statut de Satan lapidé à un statut d'ange proche de Dieu. Et bien entendu, le patchwork est explosif et ça se termine comme ça. Alors, c'est des gens qui auraient pu finir dans le grand banditisme, qui malheureusement se convertissent au terrorisme et font du tort aux autres. À la limite, s'ils se faisaient du tort à eux, ce serait déjà quelque chose de grave, mais s'en prendre aux autres est très dangereux. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, tout en respectant ce beau concept de la laïcité, l'État ou nous tous en tant que société, pour que nous fassions société, nous allons pouvoir prendre à bras-le-corps ce problème et faire en sorte que les fondements religieux puissent être enseignés à ceux qui s'en réclament afin justement de les préserver ou de nous préserver contre les exactions qui sont commises aujourd'hui au nom des religions. Philippe, si vous voulez intervenir, Monseigneur, juste après, si vous le voulez bien. Je crois que vous prêchez chacun pour vos paroisses respectives, et c'est bien naturel, si vous me permettez cette image. Mais il y a quand même quelque chose à poser d'abord. Chacun a ses convictions. Chacun est différent. Nous avons tous des préférences, nous avons tous des goûts, nous avons tous des ancrages, nous avons tous. Mais si nous mettons d'abord en avant ce qui nous différencie, ce qui nous distingue, qui parfois nous sépare, nous allons, si nous continuons ainsi, nous allons créer une société de juxtaposition. Alors le Premier ministre a parlé d'apartheid, c'est un terme qui peut-être était inapproprié, je ne sais pas. En tout cas, il indique qu'il y a un risque. Et que moi je pense que peut-être il est normal que vous plaidiez pour qu'il y ait davantage d'enseignement des religions. Moi je pense qu'il est du fait religieux, excusez-moi. Je plaide du fait religieux. Je plaide pour qu'il y ait davantage d'enseignement des principes républicains, de la laïcité. Et d'ailleurs, le gouvernement et le président de la République ont pris ce problème à bras-le-corps après les attentats de janvier, parce qu'il est urgent de redéfinir ce qui nous rassemble. Nous sommes tous, encore une fois, différents. Il faut que nous soyons capables tous de surmonter ces différences, de les transcender, pour nous réunir dans ce qui est notre espace commun, c'est-à-dire la citoyenneté. Nous sommes, avant d'avoir des particularités philosophiques éventuellement différentes, nous sommes d'abord des citoyens. Et c'est dans cet espace de citoyenneté que nous devons nous réunir. Et donc, cela exige que chacun nous fassions des efforts pour nous respecter mutuellement. C'est valable pour les uns comme pour les autres. Le respect ne peut être que mutuel. Et par conséquent, la citoyenneté, elle est première. Et les convictions éventuellement religieuses, elles apparaissent ensuite. Lorsqu'on met d'abord en avant ses convictions, y compris religieuses particulières, je pense qu'on nuit à l'harmonie de la société. Monseigneur, vous voulez intervenir ? Après, nous poserons la dernière question dans la salle pour ce débat. Je réponds directement à la question. Bien sûr. Bon, l'enseignement catholique n'est pas un enseignement confessionnel, puisque nous avons, selon la loi de Bray, les établissements ont un contrat avec l'État.
et respecte absolument les programmes de l'État. Sinon, les jeunes ne pourraient pas passer les examens. Ce qu'il y a, c'est que s'il y a justement un enseignement de culture religieuse ou du fait religieux, ça n'entraîne pas, puisque c'est objectif et puis que ça fait partie de la culture de notre pays, par exemple, pour que des jeunes puissent déchiffrer ce qu'est une cathédrale ou ce qu'est l'art qui s'est manifesté, mais ce n'est pas une adhésion personnelle à la foi. Ça, c'est du côté de la catéchèse ou du culte. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer que la meilleure façon, peut-être, de contrecarrer les intégrismes, c'est justement qu'il y ait l'usage de la raison pour pouvoir regarder de façon objective le fait religieux. Et je dirais en terminant que la personne humaine, Monsieur le ministre de l'Intérieur l'a dit, a une dimension spirituelle. Et que cette dimension spirituelle, il faut trouver les moyens qu'elle puisse s'exprimer, parce que ça fait partie de la personne, mais l'enseignement catholique n'a pas pour but de former des prosélytes, mais aussi des citoyens et qui s'intègrent dans la société. Raïm Corsia, il nous reste une question dans la salle, et très court, comme ça tout le monde pourra poser des questions. Oui, un petit mot sur ce que vous venez de dire. Juste sur l'ambiance générale, ok. Sur les mots précis que vous avez employés, si vous laissez entendre qu'avant tout, il y a une citoyenneté, ça laisserait supposer à certains que tout va bien tant qu'il n'y a pas les religions. Quand à un moment, les citoyens amènent dans le pot commun leur religion ou leur absence de religion, là, le problème arrive. Or, la laïcité, c'est justement qu'on ne demande pas à quelqu'un d'oblitérer quoi que ce soit de ce qu'il est pour être pleinement citoyen. Il y a le risque quand on présente les choses comme cela. J'aime la vision de Madame la ministre qui dit « la loi qui s'impose est la loi de l'État ». Voilà, exactement la même phrase dans le Talmud, « dina de malchuta dina », la loi de l'État à force de loi, mais si ça vient en opposition, de loi viendra en opposition, alors la loi de l'État passe. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples. Mais en même temps, le génie particulier de la laïcité à la française, c'est d'aller chercher la possibilité de concilier cela. Et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, même parfois lorsque c'est inconciliable. Mais c'est ça, c'est un effort à faire. Oui, la laïcité, c'est un effort. Et il faut qu'il soit partagé, parce que ce sont toujours des efforts pour adapter les êtres humains ensemble. La laïcité, un effort l'un vers l'autre. Monsieur, vous allez poser la dernière question de cette table ronde. Donc, Patrice Le Guérinet, je suis instituteur. Alors, première, quelques réactions par rapport à ce qu'il venait de dire, monsieur, par rapport à l'évêque qui nous parlait de la loi Debray. Oui, enfin, je ne suis pas de ceux qui la défendent particulièrement, mais dedans, il y a quand même la reconnaissance du caractère propre de l'enseignement catholique. Il n'est pas considéré de la même manière que l'école publique. Et par ailleurs, c'est grâce ou à cause de ce caractère propre que la loi de 2004, de mars 2004, consacrée à l'interdiction des signaux ostentatoires à l'école ne s'applique pas dans les écoles privées sous contrat religieuses, enfin de confession religieuse, puisqu'il n'y a pas que des écoles catholiques qui sont sous contrat. Par ailleurs, parce que ça m'a fait sourire, lorsque le rabbin nous expliquait que vous aviez 3500 ans d'expérience de rapport avec l'homme, je pense qu'il y en a un certain nombre qui auraient bien voulu qu'on leur fiche la paix durant ces 3500 ans. Voilà, c'était juste pour le rappeler un petit peu. Et dernière chose, c'était surtout plus important par rapport à ce qui nous a été dit sur le concordat. Effectivement, monsieur le ministre de l'Intérieur nous a expliqué qu'on n'était pas en 1815, qu'on n'était pas en 1905, mais il y a certains donc, territoires qui sont toujours régis par les lois de 1801, par le concordat de 1801, et d'autres par l'ordonnance royale de 1828. Et donc le concordat, c'est effectivement 60 millions d'euros par an, ça a été rappelé, mais c'est aussi une disposition légale qui reconnaît le délit de blasphème dans cet espace territorial français. Et
Il faut bien rappeler que Charlie Hebdo a été amené devant les tribunaux par une association qui s'est appuyée sur cet article de loi. Certes, ce n'est pas allé jusqu'au bout, mais en tout cas, ce dispositif légal existe toujours et la représentation nationale se doit de faire ce qu'il faut pour le supprimer. Par ailleurs, je conclue rapidement, l'ordonnance royale de 1828 qui s'applique en Guyane oblige le conseil général, le conseil départemental de Guyane à salarier un certain nombre de prêtres catholiques. Le président du conseil départemental de ce département a fait tout ce qu'il peut pour abroger et ne plus appliquer ce dispositif qui grève le budget de son département. Eh bien, la justice, pour l'instant, lui a donné tort. Il est donc du devoir de la représentation nationale, là aussi, de permettre la fin de ce dispositif. Et enfin, je conclue définitivement, pour dire que la loi de 1905, même dans les territoires où la loi de 1905, sur le reste de la France, où la loi de 1905 s'applique, il y a beaucoup, beaucoup trop de détournements par les élus de cette loi de 1905 en finançant les lieux de culte, en passant par ce qu'on appelle le financement de lieux culturels attenant aux lieux de culte et qui sont, on le sait, lieux culturels ouverts simplement à ceux qui viendront assister à l'office, quelle que soit la religion. Et donc, ça va même également jusqu'à la mise en place, on l'a eu à Lille, avec des créneaux dans les piscines, tout ça pour une volonté d'un certain nombre d'élus, quelle que soit la couleur politique, de clientélisme et de vouloir se faire réélire à tout prix, en mettant en danger, justement, comme le disait le président du comité laïcité république, en mettant en danger l'unité de la population. Voilà. Merci beaucoup. Bien fait de garder pour la fin cette dernière réflexion. Madame la ministre, on va conclure cette table ronde. Si vous voulez peut-être en même temps répondre à cette intervention. Je répondrai sur la dernière partie de votre propos, monsieur, puisque vous interpellez les élus quant à leur attitude vis-à-vis des différentes communautés religieuses ou des différentes communautés tout court aussi. Il est clair que les élus sont justement par définition des représentants de la démocratie. Ils ne savent pas qui a voté pour eux précisément, sauf ceux qui ont fait 100% évidemment et où il y a eu 100% de participation, mais je n'en connais pas. En tous les cas, en France évidemment. En tous les cas, ils se doivent donc de représenter l'ensemble de leur population et en cela, ils ne doivent faire aucune distinction au sein même de leur population. Et donc, s'ils ne doivent pas en faire, effectivement, il ne doit pas y avoir de choses accordées plus aux uns qu'aux autres et encore moins à déléguer, par exemple, l'ordre public, la paix dans les quartiers de chaque commune, de les déléguer à des représentants qui se diraient représentants d'une communauté, qu'elle soit religieuse ou pas d'ailleurs. Parce que ça a pu se dérouler dans certaines communes. Et on voit après le résultat justement de la mise à mal de l'espace commun, de l'intérêt général qui a été mis à mal et où après, eh bien, tout échappe à la fois aux élus mais aussi aux citoyens et ça crée des tensions inutiles. Par contre, un élu se doit de pouvoir dialoguer avec chacun et chacune, quelles que soient leurs convictions, quel que soit le fait qu'ils aient ou pas une religion. Et ça, permettre aussi à ceux qui croient, à celles et ceux qui croient, de pouvoir eh bien, exercer leur culte dans les meilleures conditions, c'est aussi, je trouve, une responsabilité, même si, en termes de financement, il y a des règles aussi dans ce pays qui font que on ne peut pas, évidemment, financer directement les lieux de prière, mais en tous les cas, les baux amphithéotiques peuvent permettre, par exemple, à certaines religions, que leurs fidèles puissent prier dans les meilleures conditions. Parce qu'on parlait de respect tout à l'heure, ça fait partie du respect. Pouvoir exercer son culte dans les meilleures conditions, ça fait partie aussi du respect et du bien vivre ensemble. Un effort
et du respect. Je pense que ce sera le mot de la fin, en tout cas, pour cette table ronde. Il me reste à vous remercier, bien évidemment, d'avoir participé à cette table ronde, Madame la Ministre, Raïm Korsia, Monseigneur Sentier, Mohamed Barjafil, Philippe Foussier. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on accueille maintenant notre deuxième partenaire pour ces journées républicaines d'Alfortville. Place au directeur de la rédaction, vous le connaissez forcément, directeur de la rédaction de Libération, Monsieur Laurent Geoffrin. Madame la ministre, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, merci d'abord au maire d'Alfortville, Luc Carvounas, d'avoir bien voulu associer mon journal Libération à la tenue de ces journées, qui sont de cette journée, de cette soirée, de ces discussions, qui sont à la fois précieuses et chaleureuses. Je vais juste donner, j'en ai pour quelques minutes, le témoignage d'un journaliste. Ça marche, là ? Vous m'entendez ? Un journaliste qui s'occupe de ses affaires, entre autres, mais par la force des choses, parce que l'actualité dans ce domaine est très riche, depuis au moins 25 ans. Si on prend une qualification sommaire, on peut me qualifier, moi, de journaliste laïcard. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, quand j'étais le directeur de la rédaction de l'Observateur, j'ai publié le manifeste qui a laissé un certain souvenir, j'imagine même pour certains d'entre vous, qui avait été signé à l'époque par des intellectuels comme Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, Régis Debray, certains n'ont pas très bien tourné, hein, mais ce n'est pas la question. Très mal, c'est votre avis. Ce manifeste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, protestait contre la présence de jeunes filles avec des foulards dans les salles de classe, dans les écoles secondaires. Ça a donné lieu à un débat national et ensuite à une loi, à mon avis positive, qui a proscrit les signes religieux ostentatoires à l'école secondaire pour les jeunes gens et pour les jeunes filles. On a eu raison. On a eu raison de faire ça, on a eu raison de mener ce combat. Et c'était l'application, un peu intransigeante, mais nécessaire, du principe laïque. J'ai été aussi le directeur de Libération quand Charlie Hebdo a été attaqué en justice par les autorités musulmanes pour avoir publié une caricature du prophète Mohammed, Mahomet. Nous avons publié un numéro commun, Libération et Charlie, qui s'appelait Char Libération, qui était rempli de dessins tous plus ou moins inconvenants et peu respectueux des dogmes religieux. Je ne parle pas des croyants eux-mêmes, mais des dogmes religieux. Et je pense qu'on a eu raison de le faire. Ça a coûté très cher à l'équipe de Charlie Hebdo. Et vous le savez, il y a eu ces meurtres atroces en janvier. Ça a coûté cher aussi à l'équipe de Libération, parce qu'on a un journaliste qui s'appelle Philippe Lançon, qui est à la fois chroniqueur à Charlie Hebdo et journaliste chez nous, et qui a été grièvement blessé et qui a beaucoup de mal à se remettre. Il a perdu la moitié pratiquement du visage. Donc tout ça nous a coûté assez cher. Et pourtant, aujourd'hui, je maintiens qu'on avait eu raison de publier ces caricatures. Et si nos dessinateurs me proposaient la même chose, ou des caricatures qui mettent en cause tel ou tel dogme religieux, telle ou telle religion, je les publierais de la même manière. Et je pense qu'il faut mener une lutte intransigeante, non pas contre les religions, mais contre les intégrismes qui montent. Quand dans certaines cités, on le sait bien, on n'ose pas trop le dire, un certain nombre d'intégristes musulmans font pression sur la population, et notamment sur les femmes, pour obtenir un certain comportement, c'est totalement inadmissible. Quand dans les hôpitaux, certains époux exigent que leurs époux soient auscultés de certaines manières et pas d'autres, c'est totalement inadmissible. Bref, nous devons lutter contre les intégrismes avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et en tant que journaliste, bon, on prend plus ou moins des risques, pas si important que ça en fait, sauf pour Charlie, mais on s'efforce de le faire. Mais je suis d'autant plus à l'aise pour dire, une fois avoir donné ces éléments, ces exemples, que la laïcité aujourd'hui a été détournée. C'est ce qu'a dit Monsieur le ministre. Il a raison. La laïcité a été détournée par un certain nombre de forces politiques et elle a été tournée exclusivement, ou quasiment exclusivement, contre l'islam de France. Et ça, c'est également inadmissible. Pourquoi ? À cause de tous les principes qu'on a rappelés ce soir, mais pour une raison historique et philosophique plus profonde. La laïcité, ce sont des principes intransigeants, mais la laïcité, c'est aussi le compromis. À chaque fois qu'il y a eu une affaire de ce genre, je me suis reporté aux débats qui ont présidé à l'instauration de la loi de séparation. Quand vous lisez ces débats, vous prenez quand même un peu de distance avec l'actualité, parce que vous lisez
le rapporteur Aristide Briand, donc c'est un changement fondamental dans la vie de la République, le rapporteur Aristide Briand, laïque, modéré, cherche constamment le compromis avec l'Église catholique, qui était autrement plus intransigeante qu'elle peut l'être aujourd'hui. Tous les gens qui ont voté, tous les députés qui ont voté la loi de séparation ont été excommuniés. Il faut quand même le rappeler. Eh bien, Aristide Briand cherche le compromis. Le plus dur, c'est Clémenceau. Et qui cherche encore le compromis? Jaurès. Et ces compromis étaient importants. Il s'agissait de savoir si on mettrait ou non des aumôneries dans les écoles publiques, par exemple. Ou à un moment, on a demandé à ce que, dans la loi de séparation, que les catholiques, quand ils faisaient des processions, des manifestations sur la voie publique, qu'il y ait une autorisation préalable. Et c'était prévu. Bon, l'Église catholique a protesté, la République a reculé, il n'y a pas, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque, on a admis les processions sans autorisation préalable. Et donc, on est dans l'ordre du compromis, comme disent les Canadiens, de l'accommodement. Il faut le savoir. Mon amie Mona Ozouf, que vous connaissez peut-être, qui est une grande historienne, avec qui j'ai travaillé longtemps à l'Observateur, m'a raconté l'histoire suivante. Peu après le vote de la loi de séparation, la question des crucifix dans les classes se pose. Circulaire du ministre de l'Éducation, républicain, orthodoxe, intransigeant. Circulaire qui dit « Vous attendrez que la salle de classe soit suffisamment vétuste pour qu'il y ait des travaux. À ce moment-là, vous retirerez le crucifix. À ce moment-là, vous retirez le crucifix. Et vous le mettez dans un tiroir. Une fois qu'il est dans le tiroir, si des parents réclament son rétablissement, vous rétablissez le crucifix. » Donc vous voyez bien, on discute à perte de vue de savoir s'il faut des menus, cachers, halal, etc. La République elle-même, dans sa version la plus intransigeante, a cherché l'accommodement. Et monsieur, tout à l'heure, parlait d'Alsace-Moselle. Je vous souhaite bien du plaisir, si vous voulez changer le statut de l'Alsace-Moselle. Aucun ministre responsable ne se lancera dans cet équipé. C'est une folie. Vous me dites que ça coûte 60 millions, mais c'est 60 millions pour... qui permettent de payer la paix civile. Et donc, c'est une bonne chose. Donc, soyons jacobins, mais pas trop. La question du foulard, moi, j'aime pas le foulard. Enfin, je me souviens quand même que ma grand-mère en portait un. Catholique, hein. Elle n'aurait pas eu l'idée de sortir en cheveux, comme on disait à l'époque, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, le foulard, pas dans les salles de classe, mais ailleurs. Autre image, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce documentaire qui retrace la vie quotidienne à l'Élysée. Bon, alors, peu importe le documentaire, peu importe en l'occurrence de qui on parle et qui est là, simplement on voit la visite du président de la République à la famille du policier qui a été tué en protégeant Charlie Hebdo, musulman. Sa mère, elle porte le foulard. On va lui dire à cette dame, mais qu'est-ce que c'est que ce foulard? Vous n'êtes pas bien intégrée, vous êtes une mauvaise française, vous êtes une musulmane un peu obscurantiste. Son fils défendait un journal qui a publié les caricatures de Mahomet. Il a été tué dans cet exercice-là. On va lui dire ça à cette dame? C'est impossible. Qu'on garde la mesure, qu'on soit laïque, mais qu'on garde la mesure des choses. Au Canada, ils ont un problème avec les Sikhs, par exemple. Les Sikhs, ils ont des croyances très très fortes. Il y a le turban, il y a les cheveux longs et il y a le poignard. Alors, évidemment, dans les écoles, quand les enfants, les adolescents arrivent avec un poignard, ça pose un problème. Alors on a dit, bon, pas de poignard. Les Sikhs ont protesté. Les autorités canadiennes, qui sont séculaires, ont dit, bon, on va trouver un compromis. Ils ont fini par trouver un compromis. Ce compromis est un peu ridicule, à mon sens, mais enfin, ils ont trouvé un compromis. Le poignard est collé, on ne peut pas le sortir. C'est un compromis. On a raison de faire ça, parce que c'est la condition de la paix civile. Et donc, voilà, c'était ça mon message. Libération est un journal incroyant, est un journal irrespectueux avec les dogmes. Mais j'ai appris au fur et à mesure de l'exercice de mon métier qu'on devait avoir une conception réelle, exacte, authentique de la laïcité. La laïcité ouverte, je n'aime pas qu'on rajoute un adjectif, c'est un pléonasme. Mais la laïcité fermée, c'est un oxymore. Et ce principe-là, il est essentiel, le principe laïque, pour la liberté de culte, de conscience. Il est essentiel pour l'égalité entre les citoyens et entre les cultes, mais il ne marche qu'à la troisième condition, c'est qu'il y ait la fraternité. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci.
On a déjà beaucoup abordé toutes les questions du quotidien, mais on va procéder à une nouvelle table ronde. C'est notre deuxième « Quelle place pour la laïcité dans notre quotidien ?» Je vais appeler Mme Esther Benbassa, si vous voulez bien venir, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Marie-Françoise Pérol du Mont-Madame, si vous voulez bien venir également, sénatrice PS de Haute-Vienne. Monsieur Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire national de la laïcité. Et Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France. Si vous voulez bien vous asseoir à nos côtés. Monsieur Bianco, au milieu. Et je vois commencer honneur aux dames, bien évidemment, avec Madame Benbassa. Quand vous avez entendu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, cet effort, cette complexité de la laïcité, cette obligation de s'adapter, qu'est-ce qui vous vient, vous, à l'esprit, après tout ce qu'on vient de dire ? De votre expérience d'historienne également. Ah oui, je m'excuse, mais ce soir, je ne suis pas là comme politicienne. Hein, j'ai pris mes atours d'historienne des religions et j'ai averti M. Carmounas qui m'a invité. Et donc, je ne voudrais pas qu'il y ait des confusions. Pas de questions sur les verts, vous savez, c'est... Ce n'est pas très intéressant, d'ailleurs. Bon, ce qui est intéressant, peut-être, c'est d'expliquer ce qu'est la laïcité, d'abord. Parce qu'on l'oublie ce soir, j'ai vu qu'on a beaucoup discuté, mais on n'a pas mis en avant ce qu'est vraiment la laïcité. Rappelons-nous que la laïcité est née de cette longue confrontation entre l'État et l'Église, l'Église catholique. La séparation de l'Église et de l'État est une sorte de modus vivendi qui nous a permis de créer un espace où toutes les convictions, religieuses ou non, pouvaient s'exprimer et circuler. Donc, la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion, ce n'est pas la non-religion, au contraire, la laïcité permet que toutes les religions puissent s'exprimer. L'État moderne, parce que la séparation de l'Église et de l'État, c'est le symbole même de l'État moderne qui a fait une place au temporel et une place au sacré. Ce qu'on demande dans la laïcité à l'État, c'est la neutralité. Mais aux citoyens qui circulent dans cet espace, on ne demande pas la neutralité. Au contraire, bien sûr, on demande à ce qu'une religion massivement ne puisse interférer dans les affaires de l'État et mettre terme à cette neutralité. Alors là, nous parlons sans arrêt de laïcité, mais c'est cette laïcité qui est la laïcité des origines. C'est la loi de 1905, c'est la liberté du culte. Et c'est cette laïcité inclusive qui est essentielle, pas la laïcité exclusive vers laquelle nous nous dirigeons depuis un moment, une laïcité instrumentalisée par les uns et par les autres d'ailleurs. Une forme de dérive, on va essayer de... Bien sûr, une dérive qui est cette laïcité exclusive, comme si c'était le contraire de la religion, pas du tout. Et chez certains d'ailleurs... au nom d'une idéologie nationaliste et de repli, d'ailleurs, laïcité est devenue synonyme d'islamophobie. Mais c'est absolument, ça n'avait rien à voir. Ça, c'est la laïcité exclusive contre laquelle nous devons mener un combat. Voilà. Jean-Louis Bianco, vous sentez, vous également, cette forme de dérapage, si on entend Esther Benbassa ? Oui et non. Oui, il y a des pressions communautaristes. Oui, il y a des contre-réactions qui se font au nom d'une laïcité anti-religieuse. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les débats de 1905, je crois que Laurent Geoffrin en parlait, sont absolument passionnants, entre des gens de grands talents qui, à l'intérieur du camp laïque, n'avaient pas forcément les mêmes visions. Et les réponses que fait à chaque instant Aristide Briand, entre autres, mais aussi Jaurès, mais aussi d'autres, sont passionnantes. Par exemple, question, faut-il ou non autoriser les processions ? On en parlait tout à l'heure. Faut-il ou non autoriser les curés avec des soutanes ? Les tenants d'une laïcité anti-religieuse disent non, on fait une loi sur la laïcité, on ne va quand même pas laisser la laïcité, les curés, etc. La réponse de Briand est très intéressante. Ce n'est pas une réponse juridique, ce n'est pas une réponse philosophique, c'est une réponse, à mon avis, de bon sens. Il répond, je crois que c'est à Émile Combes, vous savez, si vous voulez interdire les soutanes aux curés, ils trouveront bien autre chose.
pour se singulariser. Et on ne va pas, quand même pas commencer à contrôler les vêtements en public. Et sur les processions, on a le droit, en effet, de faire des processions. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut sans arrêt se rappeler que la liberté de conscience, qui n'est pas que la liberté de religion, c'est la liberté de ne pas en avoir, c'est la liberté de critiquer les religions, que la liberté d'expression, on peut exprimer, c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, ses convictions, même religieuses, dans la limite où on ne gêne pas autrui, dans la limite de l'ordre public. Donc il faut sans arrêt en revenir à ces principes. Il faut un effort pédagogique énorme, on le fait un peu ce soir, sur ce qu'est la laïcité et ce qu'elle n'est pas, et en effet ne pas la dévoyer, ça a été dit plusieurs fois, comme un instrument en fait anti-islam, anti-musulman. Surtout que là, on parle du quotidien. Et vous le rappelez, c'est un effort également quotidien. Il faut parler du quotidien. Bien il ne suffit pas de proclamer des principes. Marie-Françoise Perrol-Dumont, vous travaillez aussi au quotidien sur les territoires. Vous êtes issue de territoires. Vous avez été élue pendant de nombreuses années. Je rappelle, sénatrice de Haute-Vienne. Votre expérience du territoire aujourd'hui nous est utile pour parler de ce quotidien avec la laïcité comme vecteur, évidemment, de notre pilier de la République. Finalement, au thème du débat, la laïcité à l'épreuve des réalités territoriales. Avant d'entrer dans cet aspect-là des choses, j'ai une anecdote que j'ai vécue douloureusement, mais qui me semble assez parlante, et au-delà de ce cas particulier, je la trouve très symbolique, et je vais vous la livrer. Mais quand même, je voudrais dire une chose avant. La loi de 1905, c'est bien sûr l'affranchissement de la sphère publique de toutes les religions. On en a beaucoup parlé. Mais c'est aussi, et ça on en a moins parlé, un formidable acte de foi dans la République et dans la capacité des hommes et des femmes de passer du « je », la sphère privée, au « nous », la sphère publique. Et je pense que ça mériterait peut-être que nous y revenions. Une anecdote, cette anecdote dont je vais vous situer le décor. Moi, je suis élue de Haute-Vienne. La Haute-Vienne, terre de résistance, terre d'Oradour-sur-Glane. Vienne qui a payé un très lourd tribut au combat pour la liberté et contre le racisme lors de la dernière guerre mondiale. C'est une terre où la franc-maçonnerie est très fortement implantée, et depuis longtemps. C'est une terre où il n'y a pas de clivage religieux massif, où il y a un vivre ensemble. Et pourtant, je vais vous citer une anecdote. Il y a dans ce département, laïque plutôt, depuis toujours des ostensions. Qu'est-ce que c'est que les ostensions ? Les ostensions, c'est tous les 7 ans. Je suis élue depuis 1977, ça commence à faire un petit bout de temps. Tous les 7 ans, eh bien voilà, dans les communes, on sort des reliques, et puis toute la population fait des chars, fait des fleurs. Et il était de tradition que les collectivités locales participent à ceci. Les communes, communistes, socialistes, de droite, sans étiquette, le département, la région, finançaient les ostensions. Et donc, il y a 6 ans, puisque c'est tous les 7 ans. J'étais à l'époque encore présidente du département. La question du financement des ostensions, pour la première fois, se pose. Jamais avant, et j'ai été élue depuis plus de 20 ans, jamais avant, la question ne s'était posée. Doit-on ou ne doit-on pas participer de façon assez symbolique au financement des ostensions? Ça se faisait. Tout le monde considérait que c'était une grande fête locale à laquelle la population participait. Il y avait un intérêt touristique. Les gens venaient de partout pour voir ceci. Pour la première fois, en 2009, la question est posée au sein de l'Assemblée départementale. Faut-il ou pas financer les ostensions? La parole circule, elle revient, juste et parfaite, les décisions sont prises et une très forte majorité décide que oui, il fallait continuer à financer cette manifestation qui était avant tout culturelle, plus que cultuelle. Et notamment, les élus membres de l'extrême gauche, du Parti communiste à l'époque, disent oui, c'est très important, dans nos communes, il faut financer ceci. Bon, on vote, très forte majorité, nous finançons. La libre pensée, qui jamais auparavant n'avait fait déposer de recours, dépose un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif décide que non, nous ne devions pas financer les ostensions et qu'il convenait donc que les communes qui avaient reçu, ou les associations qui avaient reçu une subvention devaient la rembourser et que celle à qui nous n'avions pas versé, nous ne devions pas la verser. Nous sommes dans un état de droit. Je prends donc, comme présidente du département, acte de cette décision du tribunal administratif. Je n'en fais pas appel. Mes collègues de la région en font appel. La Cour administrative de Bordeaux confirme la décision du TA. Ils refont appel. Le Conseil d'État confirme cette décision. J'observe qu'entre-temps, l'an dernier, les ostensions ont été déclarées
comme appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Je souhaite bien du courage à mon successeur pour l'année prochaine prendre sa décision. Mais pourquoi les choses se sont-elles enquistées ? Les choses se sont enquistées parce que les crispations, elles ne sont pas seulement liées aux épisodes tragiques que nous avons vécus depuis le début de l'année. Les crispations, elles viennent depuis plusieurs années. Et quand un élu au plus haut niveau de l'État dit que dans la transmission des valeurs, le prêtre est plus important que l'instituteur, il crée une situation clivante. Il amène vers une laïcité d'exclusion. Et ça n'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Et tout à l'heure, j'ai entendu, c'était M. Geoffrin, parler d'une laïcité d'apaisement ou quelque chose comme ça. Oui, la laïcité ne s'adjective pas, mais vous avez raison. Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas fermée, elle est, mais elle est vecteur d'apaisement. Et je voudrais, pour ne pas abuser de mon temps et peut-être reprendre la parole ensuite, reprendre des mots que j'ai entendus à la commission d'enquête sur la laïcité et les valeurs républicaines à l'école qui avait été mise en place au Sénat en ce début d'année, à laquelle j'ai participé assidûment. Il va d'ailleurs avoir un débat parlementaire, c'est le lundi 12 après-midi. On verra ce que ça va donner. Eh bien, nous avions auditionné M. Bidard qui avait dit... un gouvernement a été capable du pire en inventant il y a quelques années le ministère de l'immigration. Il doit maintenant être capable du meilleur en inventant le ministère de la fraternité. Eh bien, la laïcité, c'est le plus beau vecteur vers la fraternité si on ne la dévoie pas. Daniel Keller, on sait que la franc-maçonnerie est à aussi à l'origine de la loi de 1905. En tout cas, vous y avez été un fervent acteur, pas vous à l'époque, bien entendu, mais un certain nombre. En tout cas, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que fait la franc-maçonnerie par rapport à la laïcité, notre quotidien ? Alors, il est vrai que les francs-maçons ont été aux avant-postes en ce qui concerne la loi de 1905, même si Aristide Briand n'était pas franc-maçon. Mais je voudrais dire en introduction que je suis à certains égards consterné de voir à quel point on ne parle que de religion concernant une thématique qui est celle de la laïcité. Et je crois qu'on fait fausse route parce que ce débat est sans issue et sans fin. Alors, il est vrai que la liberté absolue de conscience est une notion très chère aux francs-maçons et un pilier de la République, et que la loi de 1905 la garantit, mais on peut croire à toutes les religions que l'on veut en Grande-Bretagne, où le chef de l'Église est le chef de l'État. Donc je crois que c'est un point essentiel, mais ce qui me paraît encore plus important, et ce sur quoi d'ailleurs les francs-maçons se sont mobilisés, se sont battus, c'est que la laïcité, d'abord, ça n'est pas une valeur. C'est certainement un principe, et en tout cas, c'est un principe d'organisation de la société. Et c'est un principe d'organisation qui s'est, notamment à travers l'histoire, traduit par un certain nombre de lois à travers lesquelles la République a souhaité affranchir la société de toute, on va dire, pour parler un peu comme M. Geoffrin, de toute oppression dogmatique. Je vais prendre quelques exemples. Quand en 1792, les révolutionnaires décident de confier l'état civil à ce qui allait être les communes et de retirer l'état civil aux paroisses, ce n'est pas parce que l'Église ne savait pas tenir les registres paroissiaux. C'est parce qu'ils ont considéré qu'il y avait certainement un intérêt général à confier l'état civil à une institution adogmatique, à une institution, on va dire, laïque. Le mariage, aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça n'est pas un sacrement. Ça n'est plus un sacrement, c'est un contrat. On peut s'émerveiller à la lecture de l'annonce faite à Marie de Claudel et pour autant considérer que le mariage, c'est d'abord un contrat. Et c'est une institution qui a été dédogmatisée. Le mariage pour tous, c'est une loi d'inspiration laïque. Et j'ai d'ailleurs pu constater que cette loi, elle a été contestée dans la rue. Ce qui prouve que la défense de la laïcité nécessite qu'on se mobilise. On pourrait prendre plusieurs exemples comme cela. Mais on pourrait, par exemple, même si c'est contre le droit en vigueur, s'interroger sur la question des mères
des parents accompagnateurs des sorties scolaires? C'est une vraie question qui se pose. Et quand le Grand Orient de France considère que les accompagnateurs de sorties scolaires ne doivent pas effectivement manifester ostensiblement un signe religieux, ça n'est pas par anti-religion, c'est pour garantir des règles d'intérêt général, de bien commun, sur lesquelles la République, à condition qu'on ne l'oublie pas et qu'on ne l'enterre pas un peu trop vite, sur laquelle la République s'est construite pendant plus de 2 siècles. Merci de votre propos. On va essayer de prendre 1 ou 2 questions. Le temps qu'il nous est imparti, il reste 10 minutes. On va essayer de voir qui voudrait prendre la parole dans la salle. 1 ou 2 questions sur cette laïcité, la laïcité au quotidien. Pas de main qui se lève pour ce débat ? Ah, monsieur, vous êtes intervenu tout à l'heure, mais le débat continue. Le débat continue, et tout à l'heure, c'était ma première question, c'était la définition de l'espace public. Et madame la secrétaire d'État, elle ne m'a pas répondu, on est parti sur le débat. Alors on va essayer de vous répondre cette fois. Voilà, merci. Question sur l'espace public, monsieur Bianco. Oui, l'espace, il y a 3 espaces. L'espace privé chez vous, l'espace que moi j'appelle de la neutralité absolue, l'espace du service public et l'espace public qui sont les rues, les villes, nos campagnes, où on a les libertés. Liberté de conscience, liberté d'expression, politique, syndicale et religieuse. Je partage tout à fait l'avis de Daniel Keller, ça ne se réduit pas à la question des religions. Mais je voudrais, puisque j'ai le micro, redire un mot sur l'importance d'apporter des réponses qui rappellent la loi, qui rappellent le droit. À l'Observatoire de la laïcité, un des premiers avis que nous avons rendus, c'est un rappel à la loi. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible? Et puis, des réponses aux questions pratiques que se posent les gens dans des situations de conflit, des situations difficiles, en disant soit le droit apporte une réponse, soit voilà quelles sont les réponses qui, d'expérience, nous paraissent les meilleures. On a publié un guide pour les collectivités locales, un autre pour les associations, un autre pour les entreprises. Et je termine en disant qu'à titre personnel, j'ai signé un livre qui s'appelle « L'après Charlie », parce que je voulais partir, avec d'autres auteurs, des questions concrètes que se posent dans les quartiers des jeunes qui disent « je ne vois pas pourquoi je dirais « je suis Charlie ». Ou qui disent « pourquoi vous traitez Charlie Hebdo de cette manière-là et pourquoi vous ne traitez pas Dieudonné de la même manière ?» Ce sont des questions qu'ils posent. Elles peuvent être dérangeantes, elles peuvent être choquantes, mais il faut apporter des réponses en partant de leurs questions et non pas seulement de nos certitudes. Esther Benbassa, demandez la parole également. Madame Benbassa. Ce soir, nous avons beaucoup parlé de religion, parce que c'est vrai que quand on parle de laïcité, on doit parler de religion. Et nous avons l'impression que la laïcité se passerait bien de la religion et qu'il y a un espace qui est envahi par la religion. D'abord, essayons de voir de quelle religion nous parlons et contre quelle religion nous employons cet outil qui s'appelle, je parle de ceux qui instrumentalisent la laïcité, contre qui on utilise cet outil, contre l'islam. Aujourd'hui, c'est l'islam qui est au premier rang de ceux qui sont des religions attaquées comme n'étant pas assez laïques. D'abord, regardons l'histoire de l'islam de France. Les musulmans de France sont venus dans les années 60-80. En France, ils venaient des pays qui n'étaient pas laïques, qui ne connaissaient pas la laïcité. Qu'il n'y ait pas eu cette séparation des 2 espaces, on peut le comprendre. Néanmoins, aujourd'hui, les signes qu'on voit, la barbe, le voile, etc., bien sûr qu'on interdise le voile à l'école. Moi, j'ai été prof dans le secondaire, on négociait, on ne mettait pas les enfants dehors et nos élèves ne venaient pas couverts. On trouvait le sens de la négociation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons sacrifié la négociation à la loi. Nous avons fait des lois sans arrêt contre les signes distinctifs, le port de signes distinctifs, ensuite contre le voile intégral, etc. Je ne vais pas faire la liste. Mais est-ce que nous ne pouvons pas nous poser la question de savoir à quoi correspondent ces signes? Pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui essayent à l'extérieur de montrer les signes distinctifs de leur religion? Ce sont, après tout, les enfants, les descendants de ceux qui n'ont pas profité des valeurs de la République dans un pays où l'ascenseur social était bloqué
et qui n'ont que la religion comme lieu de repli. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure façon de vivre, mais regardez aussi de près. Je suis historienne des religions. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui sortent de la religion que de personnes qui rentrent en religion radicale. Aujourd'hui, la religion est vécue d'une manière sereine. Les radicaux qu'on voit, ce sont des exceptions. Et dès qu'il y a eu, par exemple, dans le monde juif, une montée d'antisémitisme, il y a eu un retour au religieux. Donc, n'essayons pas de tout confondre, terrorisme, religion, radicalisme, etc. Essayons de regarder ces signes pour pouvoir vivre avec les autres. Je ne dis pas que nous vivrons demain ensemble, c'est un peu tôt, mais essayons de vivre avec, de faire société. Essayons de faire de cette laïcité pas un dogme, mais un espace viable par tous, ensemble, avec des projets communs et un avenir commun. Parce que si nous nous servons de la laïcité pour attaquer une religion qui est minoritaire, ce n'est pas le combat, ne projetons pas le combat entre l'État et l'Église qui était dominante. C'était la religion catholique, c'était la religion dominante. Aujourd'hui, l'islam est une religion minoritaire. Ce dont nous parlons, ce sont des minoritaires. Alors, il n'y a pas de quoi exagérer. Et je vais finir en disant que la laïcité ne peut pas servir de projet politique. Dès que la laïcité sert de projet politique, immédiatement, il y a des dérives. On a vu des dérives, pas seulement à droite, mais on a vu aussi à gauche, au nom de la cohésion sociale, parce que c'était une des valeurs porteuses encore, parce que liberté, égalité, fraternité, tout le monde n'en profite pas. Mais la laïcité restait une valeur unificatrice, une valeur de cohésion sociale, mais la droite et l'extrême droite en ont fait aussi un programme politique. Et la laïcité, ce n'est pas un programme politique, c'est notre bien commun. Merci beaucoup. Je vous propose d'en finir sur ces propos d'Esther Benbassa, à moins qu'il y ait une autre question dans la salle. Monsieur, dernière question très courte, comme ça nos deux représentants pourront parler et après nous en finirons avec ce débat. Bonsoir, ce n'est pas vraiment une question, c'est une espèce de synthèse. C'est que, en tout cas à mon niveau de ce que j'ai entendu ce soir, pour moi la laïcité c'est surtout, et c'est ce qui m'a permis de me construire ici en tant qu'étranger, je suis algérien, c'est l'émancipation, c'est ce qu'a apporté l'école laïque qui permet à chacun, par la suite, de se construire en autonomie, en liberté, mais en liberté propre, celle de ses choix à soi. Donc la laïcité, c'est un outil commun, plein de pays en rêve. Une petite qui s'appelle Malala a pris plein de balles dans la tête parce qu'elle rêve d'aller à l'école. Et cette école, elle a permis à chacun d'entre nous, si on l'a connue, si on y a eu droit, et même quand on n'y a pas eu droit, quand on a des enfants, le seul objectif qu'on se souhaite à chacun et à ses enfants, c'est cette projection de pouvoir choisir librement sa vie, de pouvoir la construire avec tous les éléments. La laïcité en France, elle donne cette chance-là. Alors tous les jours, il faut se battre. Alors oui, cette laïcité, elle émancipe. Oui, elle donne à chacun de l'autonomie. Et pour ça, rien que pour ça, elle a ses défauts. Elle permet à quelques-uns de penser qu'ils sont exclusifs. On l'a entendu et vous en avez bien raison de combattre cette idée-là. Mais moi, mon sentiment, c'est que, en tant qu'individu et en tant qu'aujourd'hui père de 4 enfants, j'ai 2 filles, je suis musulman, peu convaincant, mais mes filles, je me bats tous les jours pour qu'elles soient un jour ou l'autre, libres de faire leur choix. Après, s'il est aussi de se chercher une identité, tant mieux pour elles si ça peut les aider. Mais si elles choisissent de ne pas se construire dans le dogme ou dans la religion, je souhaite que la laïcité soit défendue pour leur donner cette liberté de choix. Voilà. Daniel Keller, Marie-Françoise Dumont, un mot très court de conclusion sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est un témoignage qui résume à peu près tout. Vous avez un micro, vous pouvez y aller. Je rejoindrai volontiers ce que vient de dire monsieur. Et pour reprendre l'expression de madame, le vrai projet politique de la laïcité, c'est la refondation de l'école publique. C'est par là que ça commence. Et c'est vrai que la loi Debré, dont on a parlé tout à l'heure,
si on prend un peu de recul, c'est certainement le coup de poignard dans le dos qu'on a mis à l'école publique, même si c'est une loi très ancienne maintenant. Mais je crois que c'est à l'école publique qu'effectivement la République peut se construire et que les citoyens pourront effectivement également se construire. La réponse est aussi court que M. Keller. Je crois qu'on peut et on doit laisser le mot de la fin à... On doit laisser le mot de la fin à monsieur, qui a sans doute apporté le plus beau témoignage de la soirée. Juste dire quand même que, comme femme politique, je regrette aussi que, et le grand maître en a parlé un petit peu tout à l'heure, la laïcité, c'est pas seulement question religieuse, c'est la stricte séparation de ce qui relève de la sphère publique et de la sphère privée, et que je regrette beaucoup que dans la classe politique, de plus en plus ne s'applique pas cette règle-là, et commencent à ouvrir un peu trop grand la porte de leur maison, la porte de leur chambre à coucher, et qu'ensuite ils s'inquiètent parce que certains y entrent. Donc maintenant, ces barrières étanches et tout le monde s'en portera mieux. Voilà pour le message qui est passé, certainement. En tout cas, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette table ronde. Merci, Luc Carvounas, pour ces premières rencontres. On espère évidemment vous voir prochainement. Merci à tous et passez une très bonne fin de soirée. C'était bien.